Voilà. Bonjour tout le monde, monsieur le commissaire, monsieur le député européen, chers amis européens, chers représentants de la Commission, vous êtes venus nombreux de Bruxelles, chers partenaires. J'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence qu'on dédie à un sujet, une initiative européenne qui est d'ordre stratégique, si je peux dire. Il s'agit du plan de reprise et de résilience européen, un plan qui constitue une immense opportunité pour tous les États membres de l'Union européenne. Il s'agit d'un paquet financier de 724 milliards d'euros qui a été négocié à l'issue d'un effort de solidarité inégalé à ce jour entre les États membres et les institutions européennes. Il y a tout juste 2 ans, dans un contexte de crise sanitaire. En fait, l'objectif initial était de remédier aux effets socio-économiques négatifs de la crise Covid, mais aussi de permettre aux États membres et à l'Europe d'attaquer de manière résolue tous les objectifs que nous nous sommes donnés dans le cadre de la transition verte et digitale. Donc c'est un paquet substantiel, très important, et un paquet aussi qui a démontré que l'Europe est unie, que l'Europe elle est là quand il s'agit d'aider, quand il s'agit de se mobiliser pour aider, pour permettre à cette Europe que nous chérissons tant de rester résiliente, autonome et compétitive. C'est donc quelque chose d'important qu'on voulait vous expliquer aujourd'hui, parce que pas tout le monde est au courant de ce que constitue cette enveloppe financière et quelles sont les opportunités pour les États membres et notamment pour le Luxembourg. Nous sommes donc aujourd'hui un moment clé, 2 ans après l'adoption de ce plan de reprise, et c'est le moment pour faire le point, pour regarder ensemble ce qu'on a fait, ce qui reste à faire et quelles sont les opportunités sous l'égide du plan de reprise. Et nous allons le faire aujourd'hui en mettant un focus sur 2 volets qui sont au cœur de ce plan, à savoir les compétences et la mobilité verte. Pourquoi les compétences ? Les compétences, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Vous le savez, le Luxembourg fait face à certaines pénuries sur son marché de travail. Ça, c'est quelque chose qui est connu, mais c'est aussi une réalité dans beaucoup d'autres États membres. Et si nous voulons que l'Europe puisse s'appuyer sur des travailleurs qui permettront à notre Europe de s'engager sur la voie de toutes les transitions que nous devons attaquer, donc transition verte, transition digitale, mais aussi maintenant la transition énergétique, nous avons besoin de travailleurs qualifiés. Et nous l'avons vu déjà ce matin quand on a visité des projets dans le domaine des skills, des compétences au ministère du Travail, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici au Luxembourg dans ce domaine. Le Luxembourg a réussi à se positionner de manière résolue dans le domaine des compétences, et c'est très bien parce que nous avons besoin de tous les États membres pour qu'ils fassent ces efforts. Et d'ailleurs, l'année 2023, c'est l'année européenne des compétences. La mobilité verte, elle aussi, est très importante. Nous allons en parler aujourd'hui. Pourquoi elle est importante ? Tout simplement parce qu'elle est au cœur aussi de la transition énergétique que nous devons attaquer tous ensemble. Et donc, c'est quelque chose où le Luxembourg a également entrepris déjà beaucoup d'initiatives. Et c'est ce plan de reprise et de résilience qui va permettre au Luxembourg d'avancer beaucoup plus vite sur ces 2 domaines, donc les compétences et la mobilité verte. Pour nous, cette conférence ici, c'est l'occasion pour entendre de la part des partenaires luxembourgeois qui sont déjà actifs dans ces 2 domaines, d'interagir avec eux, d'entendre quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs suggestions pour que les moyens financiers que la Commission européenne met à disposition puissent vraiment changer quelque chose sur le terrain et puissent vraiment permettre d'avancer ensemble. Et bien sûr, il est important que vous, public, que vous puissiez également exprimer votre avis, et c'est pour ça qu'on a prévu d'interagir avec vous au moyen de l'instrument Slido.
Avant cet échange, avant les panels qu'on va dédier à nos deux sujets clés, j'ai l'immense plaisir de passer la parole à nos deux invités d'honneur, à commencer par Christophe Hansen, député européen et casteur, qui va nous faire part de ses observations en relation avec le plan de reprise et de résilience. Il va devoir s'excuser tout de suite après son intervention, je tiens à le préciser, parce qu'il a présenté un rapport important cet après-midi encore à Strasbourg, le rapport sur la déforestation. Donc, j'ai cru comprendre que vous allez nous quitter tout de suite après votre intervention. Et ensuite, le commissaire Nicolas Schmitt, en charge de l'emploi et des droits sociaux, va nous faire l'honneur de mettre en avant ses perspectives sur ce plan qui est donc issu de la Commission européenne, qui doit trouver, vraiment, qui doit avoir un intérêt pour tous les États membres. Il va vous expliquer les tenants et aboutissants de cet instrument très puissant pour l'Europe. Je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour à tout le monde et merci d'être venus si nombreux. Effectivement, Anne l'a déjà annoncé, je vais malheureusement devoir vous quitter très peu après mon intervention parce que je dois être à Strasbourg pour l'ouverture de la session qui sera à 17h pour la présentation de mon rapport sur le combat contre la déforestation, comme tu l'as dit, Anne. Et donc, malheureusement, je ne pourrai pas écouter la suite du débat, mais je vais essayer d'avoir les conclusions quand même par après. Et je dois dire que être ici présent pour parler du plan national de relance du Luxembourg évoque chez moi tout d'abord une grande émotion de fierté, je dois dire, parce que c'est une fierté d'avoir pu assister au plus grand approfondissement de l'Union européenne du 21e siècle. Je pense que M. Schmitt, vous êtes d'accord que c'est le cas, et le lancement du Next Generation EU, le premier instrument de dette commune entre les 27, s'élève effectivement à quelque 724 milliards d'euros, une somme qui équivaut à plus de la moitié du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne qui est normalement roule sur 7 ans. Donc effectivement, peut-être on devrait également se poser une question si ce cadre financier pluriannuel normalement est déjà assez élevé. Je pense que ce n'est pas le cas parce qu'on devrait avoir un budget plus conséquent pour les défis en commun dans l'Union européenne. Donc la période de la pandémie avait effectivement douloureusement mis en évidence aussi certains égoïsmes nationaux au sein de l'Union européenne. Vous vous souvenez certainement des fermetures de frontières. Ici au Luxembourg aussi, on a constaté que certains de nos voisins ne nous laissaient plus passer et que les coopérations transfrontalières, les échanges de patients, aussi les composantes de certains médicaments, ça ne fonctionnait pas comme ça aurait dû fonctionner. Et je pense que avec la guerre qui a succédé à cette pandémie en Ukraine, les défis sont encore plus élevés et on a un besoin plus fort encore de la cohésion et on doit mettre tout en œuvre ce qu'on peut faire. Le lancement du Next Generation EU a cependant, à mon avis, et vous pouvez le discuter après aussi, provoqué un nouvel élan, pour le dire ainsi, et un projet qui était jusque-là quasi impensable. Donc, le plan national de relance du Luxembourg, qui est la mise en œuvre de ça, mise surtout sur la transition verte. Donc, 2/3 du budget seront utilisés dans ce domaine-là et 1/3 sera utilisé dans la transformation numérique, dont la plus grande partie, 30,5 millions des 93 millions, retombe sur le développement de l'infrastructure pour les véhicules rechargeables et le Parlement européen estime que cela reviendra à créer quelque 830 emplois au Luxembourg et augmenter notre PIB entre 0,5 et 0,8%, ce qui n'est pas négligeable dans ces temps. Donc les opportunités de reconstruction et même de restructuration et de réorientation stratégique que cet instrument offre aux pays membres sont immenses et certes innombrables. Le plan national luxembourgeois reflète certes cette notion de réforme. Les buts poursuivis sont bien nobles et s'alignent à 100% avec les objectifs du Green Deal que la Commission européenne a lancé. Mais je pense que
on veut avoir un débat ici aujourd'hui, donc permettez-moi aussi d'être un tout petit peu provocateur dans le sens que je n'estime pas que le plan national de relance luxembourgeois a été utilisé de manière idéale, pour le dire comme ça. Je suis un peu déçu par le fait qu'on n'ait pas réussi à avoir un plan plus ambitieux et plus diversifié et plus apte aussi à faire face aux défis réels auxquels notre société et notre économie doivent faire face. Tout d'abord, je suis assez perplexe concernant le fait qu'on n'ait pas pu réussir à avoir un plan plus développé en termes d'investissement. Et le Luxembourg n'a demandé aucune partie des 270 millions de prêts qu'il aurait pu, milliards qu'on aurait pu demander. Donc là, effectivement, on n'a pas participé et donc on sous-exploite un peu le potentiel, je dois le dire. En deuxième lieu, je mets aussi en question si on arrive même à réaliser tous les projets qui étaient prévus sous les 93 millions alloués finalement. Et jusque-là, seulement 13 millions ont été déboursés. Et le délai pour utiliser le reste, donc 80 millions, finit dans 5 mois d'ici. Donc je pense que ça va être au moins un challenge pour y arriver. Et même si les efforts ont été entretenus en termes de logement et des problèmes primordiaux de notre pays, le projet Neuschmalz à Differdange, par exemple, avec 24 millions d'euros alloués, ainsi que le concept du pacte logement 2.0, j'ose dire qu'il ne faut pas avoir beaucoup de créativité pour multiplier ces efforts dans le domaine pour qu'un vrai impact soit ressenti sur le terrain. Et donc, j'aurais bien voulu voir quelques projets supplémentaires dans la même direction que celui à Differdange. Surtout le projet phare de notre plan national de relance, le régime d'aide pour les bornes de recharge qui est adressé aux personnes morales, est assez symbolique des occasions ratées dans ce plan. La guerre en Ukraine a entièrement bouleversé nos réseaux d'approvisionnement en électricité. Et afin de pouvoir assurer que tout le monde puisse avoir une voiture électrique, il faut tout d'abord vérifier d'où vient cette électricité finalement et comment elle est produite aussi. Donc il y a quelques jours, dans la Financial Times, on a pu lire qu'on est sur la bonne voie concernant le déploiement des énergies renouvelables au sein de l'Union européenne, mais on a aussi accru notre consommation dans la même période en charbon et en gaz par rapport à l'année précédente. Donc tout cela est quand même à prendre en compte. Et même les énergies propres comme le solaire ou les éoliennes nous exposent à de grands problèmes à court et à moyen terme parce que les matières premières dont on a besoin pour ces nouvelles technologies ne sont quasiment pas présentes sur le continent européen. On dépend très fortement, si pas entièrement, des économies comme la Chine qui est en train de faire du stockpiling de beaucoup de ces matières dont on aura besoin pour construire nos éoliennes, pour faire notre photovoltaïque, etc. etc. Donc je pense qu'on a beaucoup de pain sur la planche pour réussir cela aussi. Je suis naturellement conscient qu'il n'y ait aucune alternative aux énergies propres, mais je dois vous dire, on ne doit pas trop ou sur-simplifier les choses parce que le monde géopolitique ne fonctionne pas uniquement avec l'Union européenne. On a besoin de partenariats stables et je pense que là, on doit aussi miser sur plusieurs technologies et ne pas seulement avoir le focus sur une chose. Ce qui me rend quand même positif dans le PNR, c'est aussi l'annonce de M. Turmes qu'on va avoir des autoroutes de l'hydrogène. Je pense que l'hydrogène est une des solutions qu'on doit effectivement prévoir. Il a un peu changé d'avis sur le sujet parce qu'il y a 3 ans, il était moins convaincu. Donc je me réjouis effectivement que cela a pris sa place dans le PNR. Je pense aussi que nous aurions pu faire preuve d'un peu plus de prudence et d'une vision plus réaliste de l'avenir et des circonstances géopolitiques actuelles en mobilisant une bonne partie des fonds pour rendre nos chaînes d'approvisionnement plus diversifiées et résilientes. Et je pense que ça, c'est vraiment le train qu'on doit maintenant éviter à rater
J'ai parlé de l'économie chinoise dont on est très dépendante, mais il y a aussi d'autres players dans le monde. Et si on veut maintenant réussir sa transition énergétique, où on est tous d'accord, des accords comme le Mercosur, je pense qu'on ne peut plus le nier ou le pousser encore plus loin. Pour les réserves de lithium, la deuxième plus grande source de lithium est en Argentine. Si nous, on ne va pas le faire, les Chinois sont déjà sur leur porte d'entrée. Et l'économie d'Argentine n'est pas la plus stable en ce moment. Et donc, je pense qu'il est impératif qu'on trouve de nouveaux partenaires fiables qui ont d'ailleurs une culture très similaire à la nôtre. Parce que si vous allez là-bas, 90% de la population a des origines européennes. Si nous, on ne la saisit pas, il y aura d'autres économies qui le feront et qui n'auront pas les mêmes demande du point de vue de la durabilité, que ce soit des conditions d'exploitation de certaines ressources, mais aussi d'un point de vue environnemental. Donc moi, je plaide qu'on aille de l'avant. Il y a des défis, certainement, l'agriculture en est un, mais aussi l'ancien commissaire Phil Hogan a prévu 1 milliard d'euros pour rattraper des éventuelles perturbations dans ce monde-là. Je pense qu'on a vraiment une carte à jouer d'aller de l'avant avec des économies qui sont, disons, identiques et culturellement très proches des nôtres. Si on rate cela, je pense qu'on a vraiment fait une grosse faute géopolitique. Donc, c'est là pour vous donner un peu de matière à la discussion. Et merci beaucoup d'être tous ici. Et je passe la parole au commissaire européen Nicolas Schmit. Merci beaucoup. Monsieur le député, je sais que vous devez partir. J'aurais beaucoup de choses à vous dire là, sur l'un ou l'autre point. Mais en tout cas, bon après-midi à tous. Ça me fait très plaisir de venir à Luxembourg pour discuter, comme cela vient d'être dit, du projet le plus important que l'Union européenne ait lancé depuis sa création. Puisque nous avons eu un débat au moment de la crise financière, et certains pensaient qu'il fallait que l'Europe se lance dans la création de Eurobonds. C'était un débat, je me rappelle aussi un ministre des Finances qui avait écrit un article dans le Financial Times pour les Eurobonds, mais ce projet n'avait pas pu aboutir compte tenu du refus d'un certain nombre d'États membres, et pas des moindres. Finalement, il fallait une pandémie pour que l'Europe avance sur ce terrain et lance un méga projet, 724 milliards, dont une partie sous forme de subvention et l'autre partie sous forme de prêts. Juste une remarque, pourquoi le Luxembourg n'a pas pris les prêts? Parce que le Luxembourg, quand il va emprunter, emprunte à des conditions plus favorables encore, compte tenu du triple A et de sa bonité extrême, plus favorable que l'Union européenne. Alors les prêts, bien sûr, pour un certain nombre de pays, comme l'Italie, comme d'autres pays du Sud, ont des conditions moins favorables que l'Union européenne et donc sont tout à fait attirés pour emprunter, pour prendre une partie sous forme de prêts. D'ailleurs, il faut constater qu'il y a plus de 200 milliards de prêts qui n'ont pas encore été tirés par les États. Plus de 220 milliards, si je me rappelle bien, d'ailleurs, qui sont à disposition et qu'on pourrait utiliser à d'autres fins. Mais bon, laissons ce volet. Alors, il y a un volet important, puisque vous avez indiqué que peut-être on aurait pu faire plus ci et là. Bon, d'abord, les plans nationaux sont du ressort des États membres. Ce n'est pas la Commission. Certes, la Commission surveille comment l'argent est utilisé, puisqu'on ne peut pas utiliser l'argent à tort et à travers. Il faut au moins 37% destiné à la transformation écologique, climatique notamment, liée au climat, pour atteindre l'objectif de zéro émission à l'horizon 2050, qui est assez proche quand même, et 20% pour l'investissement dans le numérique. Deux volets importants pour l'avenir économique de l'Europe, parce que nous voulons être le leader sur le climat, le leader sur les technologies
du climat. Et vous l'avez bien dit, ce sont les industries propres, les clean tech. Et d'ailleurs, la Commission a présenté un plan, une stratégie sur le volet industriel des clean tech avec un certain nombre de moyens, notamment liés aussi au projet REPowerEU, mais aussi liés à un assouplissement de certains mécanismes en matière d'aide publique pour précisément permettre à l'Europe de regagner une position plus forte sur ce volet des clean tech. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Dans certains domaines, on garde une position relativement favorable. L'hydrogène en est une, d'ailleurs. Mais là, les Américains ne dorment pas. Et surtout, à force de subventions dans le cadre de l'IRA, Inflation Reduction Act, ils lancent des dollars à tour de rôle avec des subventions allant jusqu'à 40% et plus, avec des régimes fiscaux extrêmement favorables. Et donc l'Europe doit effectivement regarder ce qui se passe en Chine d'un côté, mais ce qui se passe aussi aux États-Unis pour ne pas perdre une position forte sur les clean tech. Donc je crois que ça c'est un élément central. Comment est-ce que l'Europe reste compétitif, reste innovateur sur les technologies qui nous permettent finalement d'atteindre notre objectif que nous avons lancé, conférence de Paris, pour réaliser les objectifs de la conférence de Paris. Et d'ailleurs, plein de pays nous ont imités. Même les États-Unis maintenant sont d'accord que le climat, c'est un vrai enjeu. Les Canadiens, même les Chinois ont des objectifs similaires. Donc je crois que l'Europe a un leadership qu'il faut assumer. Alors c'est pour ça que le plan de relance et de résilience, qui a été initialement d'abord une réponse à la pandémie pour que l'économie européenne ne plonge pas, parce que nous avons vu d'un jour à l'autre, à cause de la pandémie, l'emploi, les gens qui risquaient de perdre leur emploi. Il y avait une réduction du PIB, parfois de 10, voire plus de pourcents dans plein de pays, sauf dans un pays, le Luxembourg s'est bien battu. Peut-être aussi par la structure de l'économie luxembourgeoise, le Luxembourg finalement a été impacté par la pandémie, mais là a été moins, parce qu'on a mis en place notamment le télétravail. Dans le secteur bancaire, on peut travailler en télétravail. Dans le secteur du tourisme, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est clair que tout cela a aussi inspiré la distribution des fonds. Ont obtenu la plus grande partie des fonds les États, d'abord les plus grands, puisque Luxembourg n'est pas une des économies les plus importantes de l'Union, du moins par la taille, pas par sa valeur et sa contribution, mais par la taille. Et en même temps, il a fallu constater que Luxembourg s'est très bien battu à travers la crise de la pandémie. Et d'ailleurs, on a dû ajuster un peu, ce qu'on a fait d'ailleurs pour d'autres pays, les montants. Donc, l'argent qui a été consacré dans le plan national du RRF, c'est un argent, je crois, qui respecte d'abord un certain nombre d'objectifs essentiels. Premièrement, le Green Deal, puisque une part importante de l'argent qui a été donné au Luxembourg, qui sera donné au Luxembourg, est affectée à des projets, et ça vient d'être dit par M. Hansen, à des projets environnementaux, notamment dans le cadre du changement énergétique. D'ailleurs, là-dessus se greffe un autre plan qui est lié au RRF, qui s'appelle REPowerEU. Et là aussi, le Luxembourg bénéficie à peu près de 130 millions pour investir dans le changement, dans la sécurité énergétique et surtout dans la transition énergétique pour passer effectivement de l'énergie fossile vers les énergies renouvelables. Donc je crois que sur ce plan-là, le Luxembourg a bien respecté la contrainte et l'objectif général qui détermine l'utilisation des fonds européens. Le deuxième volet sur lequel j'aimerais surtout insister et qui est lié un peu aussi à la transformation digitale, c'est l'investissement dans les compétences. D'abord, je suis le commissaire en charge largement de l'année européenne des compétences en tant que commissaire de l'emploi et des droits sociaux. La présidente de la commission a déclaré cette année « année des compétences ». Pourquoi ? Mais parce que dans une période de pleine mutation économique, technologique, les compétences, c'est la clé. Parce que vous pouvez
avoir les machines les plus performantes, vous pouvez investir dans plein de technologies nouvelles. Si vous n'avez pas les gens avec les compétences nécessaires, vous n'allez pas très loin. Et donc, investir dans les hommes et les femmes, dans leurs compétences, pour effectivement aussi ajuster le marché du travail vers les nouveaux besoins. Et là, je crois qu'il y a un défi au Luxembourg. Alors, nous avons un emploi qui est le plus élevé, bien plus élevé qu'avant la pandémie. Nous avons un chômage qui est plus bas qu'avant la pandémie. Tout cela, c'est très bien. Mais il n'en reste pas moins que nous avons aussi des pénuries de main-d'œuvre colossaux et que nous avons un besoin énorme de compétences. Alors, que ce soit la banque, la finance, les nouvelles technologies, la cybersécurité, des centaines d'emplois au Luxembourg dans le domaine de la cybersécurité qui attendent des talents, qui attendent des personnes avec les compétences, et évidemment aussi dans les PME. L'artisanat, je me rappelle, c'était déjà le cas quand j'avais des responsabilités, mais aujourd'hui encore à plus forte raison, demande des travailleurs compétents dans les différents domaines de l'artisanat, qui est aussi au Luxembourg un pilier de notre économie. Et donc, je crois que investir dans les compétences, mettre en œuvre des politiques importantes pour upskilling ou reskilling, requalifier et qualifier mieux les personnes, et je crois qu'il y a, indépendamment de toute façon, du besoin du Luxembourg pour attirer des talents de l'extérieur, pour bien sûr compter un peu sur les régions frontalières, mais on ne peut pas simplement compter sur les régions frontalières qui, elles aussi, ont besoin des compétences, qui, elles aussi, sont en train de se développer, qui, elles aussi, sont en train de se lancer dans une mutation économique. Donc, le Luxembourg doit aussi mobiliser les énergies et les compétences sur son propre territoire. Et donc, permettre des transitions meilleures, plus rapides, par la formation continue, par des approches innovatrices en matière de technologie, je crois que c'est un bon investissement. C'est un bon investissement, mais c'est à la fois un investissement qui a besoin d'abord d'entreprises qui savent quelles sont les compétences dont elles ont besoin. C'est un investissement important pour la personne. Et je crois que ce qui est fondamental, c'est de convaincre notamment ceux qui ont un travail, mais qui ne sont peut-être pas toujours sûrs de pouvoir garder ce travail, que finalement, la requalification, ça peut être un bien. Ce n'est pas une punition, c'est un bien. À condition de donner aux gens la sécurité pendant le temps qu'ils sont requalifiés. Alors, nos propositions en matière de politique de l'emploi pour l'Europe, c'est éviter le chômage au maximum. Organiser les transitions, permettre aux travailleurs d'apprendre quand ils ont encore un emploi pour éventuellement changer d'emploi dans l'entreprise ou dans une autre entreprise, éventuellement dans un autre secteur. C'est ça l'objectif. Et je crois que ce matin, on a eu l'occasion de voir des projets importants mis en œuvre par l'ADEME avec le concours des partenaires sociaux, avec le concours d'autres acteurs. Je crois que c'est la bonne direction. Et donc, puiser dans la réserve qu'il y a. Il y a trop de jeunes qui n'ont pas de diplôme. Essayons de les attirer vers des compétences. Ne parlons pas de diplôme, parlons de compétences. Parce que c'est ça aussi le message de l'année européenne des compétences. Merci. C'est effectivement parler de compétences. Et beaucoup de gens ont des compétences. Et on l'a appris ce matin, des jeunes, même des moins jeunes, qui soudain découvrent qu'ils ont des compétences, mais qu'il faut valoriser, qu'il faut soutenir. Et je crois que ça, c'est une bonne manière pour ramener vers l'emploi un certain nombre de personnes. Et d'ailleurs, je dois le dire, les résultats en termes de taux d'emploi, qui est un grand objectif aussi de l'Europe sociale, notamment des objectifs de Porto. Le Luxembourg se situe au milieu, plus ou moins. Il peut mieux faire. Il peut mieux faire, notamment sur l'emploi féminin. Il peut mieux faire sur les travailleurs un peu moins jeunes. Un peu moins jeunes. Et ça, c'est une responsabilité à la fois des entreprises. On ne peut pas se plaindre de ne pas trouver la main-d'œuvre. Et en même temps, dire, bon, il a 48 ans, 52 ans, c'est plus trop, ça ne vaut plus trop la peine. Grande erreur. Investir aussi sur les travailleurs un peu plus âgés ou un peu moins jeunes.
fondamentale. Je crois que là, il y a un défi majeur à faire. Et l'argent du RRF va aussi dans ces projets. Et je crois que, en tant que commissaire notamment de l'emploi et des droits sociaux, puisque la formation est un droit social fondamental, premier principe du socle des droits sociaux, c'est le droit à la formation, le droit à la formation tout au long de la vie. Je crois que c'est un bon investissement, même si c'est une somme relativement modeste, mais c'est un signal, c'est un encouragement. Je crois que sur ce signal, sur cet encouragement financé par des fonds européens, il faut maintenant continuer sur la lancée et bien sûr pérenniser les projets qui ont été lancés par les fonds européens. Dernier mot. Alors, je sais que certains vont nous dire, mais 83 millions, qu'est-ce que c'est pour un pays ? Enfin, on aurait pu financer ça tout simplement par nous-mêmes. Oui, sûrement. Je crois que d'un côté, c'est obliger chaque pays, même le plus riche de l'Union européenne, d'investir et d'utiliser des fonds européens et de s'engager dans ce processus de réforme, de changement qui a été défini par l'Union. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le Luxembourg est indirectement un bénéficiaire majeur de ce plan. Un bénéficiaire majeur. Imaginez un instant, on n'aurait pas ce plan, on n'aurait pas sauvé, parce que c'était ça, largement, on n'aurait pas sauvé le marché intérieur, puisqu'on était en train, et ça a été dit par M. Hansen, de fermer les frontières, de voir les chaînes de valeur remises en cause, etc. Ben, la première victime de la chute de l'économie européenne due à la pandémie ou due maintenant à la crise énergétique provoquée par la guerre criminelle des Russes contre l'Ukraine, la première victime aurait été un pays comme Luxembourg, extrêmement dépendant, extrêmement ouvert sur l'extérieur et notamment sur l'économie européenne. Donc, de ce point de vue-là, le Luxembourg est un grand bénéficiaire de ce projet innovateur, unique, et dont il faut faire un grand succès pour l'Europe et pour ses États membres. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire, et également à Christoph Hansen, qui nous a déjà quittés. Je demande maintenant à Maxime Guillen de nous rejoindre ici sur scène. Maxime Guillen va assurer la modération de la table ronde à laquelle vous allez assister maintenant. Et je demande également aux panélistes de la première table ronde de venir sur scène pour parler des besoins du futur. Maxime. Très bien, bon, je vous souhaite aussi la bienvenue pour ce premier panel. Monsieur Schmidt nous a déjà fait une très bonne introduction sur les compétences 13. Il a souligné l'importance et nous on va thématiser ça aussi cet après-midi. Ça, on va faire avec Catherine Leglu, vice-rectrice académique de l'Université de Luxembourg. Elle s'occupe du parcours académique des étudiants donc, de l'université, à partir des admissions jusqu'au bout, jusqu'à la remise des diplômes. L'université a 7000 étudiants, dont la moitié de l'étranger. On va faire ça aussi avec Muriel Morbet, directrice formation et ainsi membre du comité exécutif de la Chambre de commerce, ainsi que directrice du House of Training. Muriel Morbet travaille dans différentes fonctions depuis presque une quinzaine d'années dans le domaine de la formation professionnelle continue au Luxembourg. Puis Carlo Friesing, directeur adjoint de la Chambre des salariés. Il est le représentant principal dans tous les comités sur l'éducation et la formation, tant au niveau national qu'européen. En plus, il s'occupe de l'élaboration d'avis au nom de la Chambre des salariés sur des projets de loi dans ce domaine. Javier Yanizigal, directeur faisant fonction de la Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne, de formation ingénieur industriel
et économiste. Il a commencé sa carrière dans le secteur de l'automobile. Avant de joindre la Commission européenne en 2000, depuis 2005, Javier Yanizigal travaille à la DG ECFIN, où il a fait le suivi de l'évolution de l'économie de nombreux pays, dont aussi le Luxembourg. Et ensuite, aussi, Tom Oswald, premier conseiller au ministère du Travail et de l'Emploi et de l'économie sociale et solidaire, de formation assistant social et criminologue. Il a d'abord travaillé au niveau communal avant de joindre le ministère, où il s'occupe depuis 2019 de la coordination générale. Donc j'espère que vous avez une petite idée de tout le monde qui est ici maintenant. On fait un petit tour de table, mais avant de commencer, j'aimerais bien encore vous signaler que, comme a été dit auparavant, on peut poser des questions après aussi via l'application Slido ou après directement ici dans la salle. Le sujet d'aujourd'hui est le plan de relance et de résilience et comment il est mis en œuvre au Luxembourg. Dans le domaine du développement des compétences, Javier Yanizigal, quel est le rôle de ce plan ? Je vais voir si vous m'entendez bien. Okay. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de nous avoir invités. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus, aux autorités luxembourgeoises, notre commissaire et bien sûr à l'organisation de notre représentation ici. Bah, très brièvement, parce que je pense qu'on a déjà entendu pas mal de choses. Et on va commencer par connecter avec ce que notre commissaire vient de dire. Bah, le plan est modeste, mais le plan quand même a beaucoup de sens. Et je pense que la partie compétence est un exemple parfait de cette phrase. Pourquoi ? Parce que ça, de la manière où on le voit à la Commission, ça a permis aux autorités luxembourgeoises de vraiment faire un scan de ce qu'il faut faire dans l'avenir, ce qu'il faut faire déjà dès maintenant. Donc, quelle est la première chose qu'on peut se poser qu'il faut faire ? Ben, on va développer une stratégie pour bien réfléchir, pour voir les besoins dont le Luxembourg doit développer les compétences des travailleurs, des entrepreneurs, etc. Et pour ça, on a déjà quelque chose dans le plan qui est autour de la Skill Dash, c'est développer cette stratégie nationale des compétences. Donc, une première partie a déjà été faite, les grandes lignes sont déjà terminées. Et puis, les autorités se sont rendues compte que c'est un sujet tellement complexe et tellement riche qu'il faut peut-être demander à une institution comme l'OCDE de continuer ce travail pour approfondir. Et c'est là où elles sont. Donc là, on a déjà une première chose, on a mis un bon cadre, où est-ce qu'on va travailler. Mais ils se sont posé aussi la question de comment utiliser cet argent et ils ont décidé de commencer la formation un peu d'une manière différente. Et c'est ce qu'on appelle dans le plan les future skills. Ce matin, on a pu voir de très belles exemples de comment ça marche. Donc ça a été produit par module. Évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la formation digitale. Elle est partout dans les compétences de l'avenir et elle est bien présente aussi là. Mais elle n'est pas la seule. On connaît l'importance croissante de ce qu'on appelle les soft skills. Et on entendait aussi ce matin qu'il ne parlait pas des soft skills, mais je pense qu'on pouvait l'interpréter comme ça. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà certaines compétences. Donc, les soft skills, ce n'est pas seulement les apprendre, c'est aussi de prendre conscience de ce qu'on a nous-mêmes. Et puis, il y a d'autres éléments comme compétences managériales ou des compétences plus spécifiques. Et ça aussi, il faut tenir compte que ce future skills contient un volet qui dit qu'un tiers des personnes qui vont être formées doivent être de plus de 45 ans. Donc là, on trouve déjà un élément d'un groupe de population assez concret. Et un autre endroit où on peut puiser, c'est qui gère la formation, ou une agence, une institution dans les pays qui joue un rôle clé. Et ici, on a l'ADEME. Et donc l'ADEME, qu'est-ce que les autorités peuvent faire avec l'ADEME ? Bah, déjà, et améliorer ses infrastructures en digital, ses logiciels, mais aussi la manière où ils regardent la manière de gérer ses formations. Et donc, pour exemple, c'est intéressant de voir que s'ils travaillent avec les demandeurs d'emploi, s'ils travaillent avec les entrepreneurs, ils pensent aussi à travailler maintenant avec les salariés, justement, on le disait tout à l'heure, et pour éviter que les personnes perdent le travail, voire encore pour que la transition se passe bien. Et après, le plan contient aussi d'autres éléments, par exemple, dans le domaine de la santé, qui est un secteur assez spécifique, et évidemment, donc, il faudra faire beaucoup de choses, pas seulement au Luxembourg ou ailleurs. Je pense que je m'arrête là. Très bien, merci. Un des plus grands défis est certainement de faire correspondre en fait les compétences
voir l'offre et la demande des compétences, disons, au Luxembourg. Tom Oswald, quelles sont les initiatives actuelles dans ce domaine au Luxembourg plus spécifiquement? Vous pouvez peut-être nous faire aussi un aperçu là-dessus. Oui, je pense que ce défi est effectivement donné. Il faut déjà une formation, il faut voir les compétences dont les personnes ont besoin et dont le marché a besoin. Il y a toute une série, je pense, de compétences que les personnes ont, mais ils ne sont pas conscients de les avoir. Et de l'autre côté, je dis, si on parle maintenant, par exemple, de l'ADEME, qui est de la compétence du ministère du Travail, il faut évidemment réfléchir à quelles sont les compétences dont le marché d'emploi a besoin. Je pense qu'il y a toute une série, comme on a aussi vu ce matin, qui sont transversales, mais il faut aussi pouvoir développer les compétences quelque part, je dirais, à la demande du demandeur d'emploi. De l'autre côté, il y a aussi un rôle, je dirais, de l'économie et de l'employeur, puisque investir, et parfois, surtout avec les petites entreprises, et je peux le comprendre, si on a 5 salariés, il y a une personne, ou moins, une personne qui, pendant un jour en formation, elle n'est pas dans l'entreprise, mais l'investissement dans les compétences des salariés et aussi dans la résilience de l'entreprise. Et sans cet investissement, l'entreprise aura des difficultés à avancer, surtout dans un monde économique qui est technique, qui change de plus en plus vite. Si maintenant un petit garagiste ne veut pas former ses salariés, je dirais, en électromobilité, à un moment, il aura un problème. Il faut recruter d'autres personnes et je pense qu'il faut avoir cette idée de formation. Oui, d'un côté, il y a l'État qui fait beaucoup, mais aussi il faut que les entreprises elles-mêmes voient quelles sont les compétences et qu'elles forment les personnes qui ont besoin, surtout aussi dans des domaines très techniques. Moi, j'ai parlé encore récemment avec un industriel qui m'a dit, mais pour moi, si quelqu'un vient travailler chez moi, il faut déjà à la base 6 mois de formation pour travailler sur cette machine. Donc c'est important aussi de sensibiliser, je dirais, la population générale par rapport à la problématique et les entreprises. Et de l'autre côté, évidemment, c'est l'ADEME qui doit avoir spécifique aussi les compétences transversales qui sont dont le marché a besoin. Vous dites qu'en fait, l'État, il fait beaucoup, mais il fait aussi beaucoup de concurrence aux petites entreprises. Vous les avez mentionnées. Comment est-ce que vous pouvez remédier à ce souci-là? Bon, je pense déjà, d'un côté, on peut être aussi en petite entreprise content qu'il y a un État qui fonctionne. Quand je regarde en pandémie, je pense que les aides au niveau chômage partiel n'auraient pas été payées aussi vite. Je ne sais pas si les entreprises auraient été gagnants. Donc, je pense aussi qu'un État qui fonctionne, les entreprises sont gagnants. Ils ont aussi tout un intérêt qu'il y a des personnes qualifiées qui travaillent pour le public. Et de l'autre côté, il faut rendre aussi le travail intéressant. Mais parfois, pas toutes, mais les entreprises, ils peuvent aussi donner des modèles. Moi, je connais des gens qui travaillent en privé et qui restent en privé, puisque je trouve ça intéressant. Et puis, il y a le rôle du salaire, ça dépend des carrières. Mais j'ai un copain, il a travaillé à Londres, il est revenu au Luxembourg, il a travaillé au ministère de la Finance, il a dit, j'ai jamais travaillé autant pour gagner si peu, il est retourné en privé. Ça dépend évidemment des carrières, mais c'est vrai, dans un pays où un niveau de vie et assez cher, les logements chaussés, c'est aussi les salaires qui jouent un rôle. C'est pour ça que je trouve bien qu'on a un salaire social minimum qui a été augmenté, qu'il y a on a la directive minimum wage qui veut vraiment que les gens doivent aussi encore pouvoir vivre de ce qu'ils gagnent. Mais il y a évidemment aussi une concurrence. Mm-hmm. Mais l'un profite aussi à l'autre, en fait, c'est bien que l'État fonctionne bien. Très bien. Muriel Morbet, comment voyez-vous voir les employeurs? Peut-être vous pouvez nous donner ce point de vue, la situation actuelle au Luxembourg au point de vue des compétences. Je pense... Parfait. Excusez-moi.
Effectivement, pour les entreprises, c'est la mise à disposition d'une main-d'œuvre qualifiée qui est un enjeu stratégique et qui, pour l'instant, peine beaucoup à trouver la bonne main-d'œuvre. Et donc, c'est le manque de compétences et les gaps entre aussi les profils disponibles et leurs besoins qui ont des répercussions directes sur leur productivité. Cette situation, je pense, elle a encore été empirée par la pandémie, par la double transition digitale et écologique qui a été citée déjà plusieurs fois, le progrès technologique des nouveaux métiers qui apparaissent, d'autres qui se transforment, d'autres qui disparaissent. Donc la formation et le développement des compétences sont pour les entreprises vraiment un des moyens pour rester compétitifs, pour attirer des talents, pour les garder. Et donc plusieurs initiatives, et je vais en citer quatre, un élément fondamental est vraiment la mise à disposition d'une offre de formation adaptée. Et pour cela, on commence par vraiment l'identification des besoins en formation. Et je pense, la Chambre de commerce, la House of Training, c'est ce qu'on fait à travers de rencontres régulières. C'est ça qui est important, être proche du terrain, des rencontres avec les fédérations professionnelles des différents secteurs, des rencontres avec les entreprises, des rencontres avec l'ADEME également. Donc, c'est... Ainsi, on a mis en place une plateforme intermédiaire qu'on dit des échanges d'un côté avec les fédérations, avec les experts de différentes thématiques venant du terrain, venant des entreprises luxembourgeoises et les entreprises qui sont les clients finalement qui doivent investir dans la formation. On a aussi participé à différentes études sectorielles pour identifier ces besoins, quels sont les profils de l'avenir, et ça aussi c'est un élément vraiment important. Une des préoccupations, et ça a déjà été cité plusieurs fois, réside bien sûr aussi dans la formation des personnes vulnérables et des demandeurs d'emploi. Et je pense, j'ai entendu donc ce matin, vous avez déjà parlé de plusieurs initiatives de l'ADEME, comme le Future Skills. Et là aussi, on recherche la collaboration vraiment toujours avec l'ADEME, aussi avec la Chambre des salariés ensemble, pour justement s'adresser aussi aux demandeurs d'emploi, en vue d'une réinsertion rapide sur le marché du travail, en vue d'une reconversion. Souvent, ça aussi, c'est le cas. Un des projets, des nouveaux projets, je ne sais pas si vous en avez parlé ce matin, c'est le Skills for Job. Donc, c'est un parcours vraiment destiné à l'élaboration d'un projet professionnel clair et réaliste. Et on a déjà pu former 40 personnes l'année dernière et le projet se poursuit encore sur 2023. Les compétences digitales aussi, c'est là, elles ont été citées. Donc, je pense qu'il y a de nombreuses initiatives en place également, des formations et d'autres initiatives qui soutiennent vraiment le développement des compétences digitales dans les entreprises. Et puis, un élément que je trouve important aussi, initiative pour laquelle on s'engage, c'est aussi un environnement en faveur d'un enseignement supérieur diversifié. Donc, au niveau de la Chambre de commerce aussi, avec la House of Training, tout d'abord, on a un partenariat avec l'Université du Luxembourg pour favoriser cela. Et on propose également, via ensemble avec HEC Liège et d'autres partenaires, des programmes pour, pas des diplômes, mais vraiment pour développer les compétences des différents candidats. Vous avez déjà mentionné, il était important de travailler ensemble aussi avec la Chambre des salariés. Carlo Friesing, vous êtes le représentant aujourd'hui ici. Vous êtes en contact étroit avec les salariés et les demandes de ceux-ci. Les initiatives actuelles, est-ce qu'elles correspondent à leurs besoins? Oui et non. Donc oui, parce qu'effectivement, la Chambre des salariés ainsi que les organisations syndicales sont en faveur de toute action qui dote les citoyens de compétences additionnelles, justement pour leur permettre d'obtenir des emplois de qualité et une rémunération adéquate. Et beaucoup d'actions ont déjà été citées, notamment avec l'ADEME. On est aussi très content de pouvoir participer à ce genre d'actions. Malheureusement, ces actions sont limitées dans le temps. Le problème que nous, on rencontre au Luxembourg, c'est qu'on n'a pas de gouvernance, à notre estime, ou pas de gouvernance suffisante en ce qui concerne la formation professionnelle continue. C'est pour cela aussi qu'on avait proposé à créer une commission tripartite, justement un peu comme le comité permanent
du travail et de l'emploi une commission tripartite de ce genre en matière de formation continue, justement pour piloter et guider un peu le système de la formation continue. Monsieur Schmitt l'a dit tout à l'heure, les entreprises, encore faut-il qu'ils investissent dans les compétences lesquelles sont vraiment nécessitées par les salariés. Or, nous, on a une vue quantitative, approximative, qui est réalisée par un institut national de formation professionnelle au Luxembourg, une vue quantitative de l'investissement dans la formation continue. On n'a aucune donnée qualitative à ce sujet. Et je crois que ce serait important de le faire. Or, cet organe tripartite aurait pu le faire et aurait aussi pu guider, je dirais, la politique dans leurs décisions, quels investissements à réaliser, notamment pour développer les compétences digitales, pour développer les compétences vertes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est effectivement le premier objet qui est dans le droit européen, dans le socle européen des droits sociaux. On souhaite vraiment qu'on ait une législation qui dit qu'effectivement, tout un chacun a droit à la formation, un droit individuel à la formation. D'ailleurs, c'était écrit dans l'accord de coalition de 2018, dans le volet du ministère du Travail. Jusqu'à présent, aucune discussion n'a eu lieu à ce sujet. Et un instrument aussi que les salariés auraient préconisé à obtenir, ce sont justement les Individual Learning Accounts, les comptes personnels de formation. D'ailleurs, également décrit dans l'accord de coalition. Et ça, c'est des outils qui, à notre estime, manquent. Il y en a d'autres, certainement d'autres, parce qu'on parle toujours de plans de formation dans les entreprises. Pourquoi ne pas non plus parler de plans de qualification, justement pour les salariés peu ou pas qualifiés? Et pourquoi ne parler donc pas aussi des périodes de professionnalisation pour ces catégories-là, pour leur permettre d'obtenir une qualification. Là, on n'est pas tout à fait d'accord avec le commissaire Nicolas Schmitt parce qu'il préfère parler plutôt de compétences. Alors, nous, on préfère également parler de qualifications, de diplômes officiellement reconnus parce qu'il y a dans de nombreux accords collectifs, les diplômes jouent encore un rôle plus ou moins primordial. Mais si on parle de compétences, il y a un autre élément au Luxembourg. Et regardez ça de manière critique, mais positive critique. C'est une critique positive. Il y a un second élément qui manque, et malheureusement, il n'y a personne du ministère de l'Éducation nationale qui est représenté aujourd'hui ici, c'est le cadre luxembourgeois des qualifications. Le cadre luxembourgeois des qualifications, il a été adopté vers 2010 ou même avant, 2009-2010. Aucun autre changement n'a été fait. On parlait de qualifications partielles à un moment donné, justement pour les référencer sur ce cadre et obtenir par la suite un diplôme. Aucun développement n'a été fait à ce sujet-là. Il y a énormément de choses dont on parle en ce moment, mais sans concerter les partenaires sociaux. Il y a un programme très stratégique qui a été remis justement à Bruxelles suite à la déclaration d'Osnabrück, le National Implementation Plan, il n'y a eu aucune concertation au préalable, ni avec les employeurs, ni avec les représentants salariaux. C'est quelque chose qu'on regrette, puisque là, quand même, il y a quand même une définition d'une stratégie des compétences qui va au-delà de 2030, en principe. Et donc là, on aimerait quand même avoir au minimum une présentation de la part des responsables étatique à ce sujet-là et aussi comment eux y voient donc l'avenir et on aimerait être impliqué. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est impliqué dans des actions avec l'ADEME qui sont très très louables, mais au niveau stratégique, le dialogue social, je vous laisse juger vous-même, il est un peu limite. Je m'arrête là pour l'instant ou vous voulez que je continue? On continue après, peut-être qu'on va encore demander à Madame Leglu comment elle voit l'apprentissage tout au long de la vie. On en a parlé un peu, qu'il faut changer des qualifications, mais aussi qu'il faut ajouter des qualifications. Et comment est-ce que vous voyez ce processus? Merci beaucoup. Je pense qu'on m'a demandé de parler de l'apprentissage tout au long de la vie au Luxembourg. Je pense qu'on a parlé beaucoup de gens qui sont peut-être âgés de plus de 45 ans. C'est peut-être notre zone de confort aussi. Je vais parler de cette jeune femme-là
qu'on voit sauter à côté de nous, qui s'appelle New Generation. Cette personne ne s'est jamais perdue. Elle ne s'est jamais perdue à la Google Maps. Elle ne sait pas se perdre dans un environnement. Elle ne sait pas demander son chemin. Cette personne s'attend à avoir une réponse en l'espace de au moins une minute à n'importe quelle question. Avec l'arrivée de ChatGPT, c'est moins d'une minute. Okay. Donc, ça, par exemple, je viens de lire quelque part qu'il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle, je ne sais pas, un cristal de roche, qu'est-ce que c'est ? Je regarde sur mon téléphone, ça me le dit. Donc, cette personne n'a pas de doute dans certains aspects. Pour la calculatrice, c'est très simple, la calculatrice, c'est dans le téléphone. Je n'ai pas besoin de faire des calculs mentaux. Mais en même temps, par exemple, cette même personne, j'ai deux filles, il y a quelques années maintenant, ma fille aînée, quand elle avait 15 ans, est venue vers moi avec une copie de Vogue. Et elle m'a dit, bon maman, je sais que tu as lu des trucs comme ça par le passé, je vais m'installer à côté de toi, tu vas m'expliquer comment je lis ce truc, qu'est-ce que je fais, je vois qu'on tourne les pages, il y a des images, qu'est-ce qu'on fait avec ? Je suis censée penser à la mode en regardant ça ? Ce qui est vraiment curieux, c'est que ma fille cadette m'a fait exactement la même chose l'année dernière. Alors, autrement dit, nous, ce que nous pensons être les apprentissages dont on a besoin, les choses qu'on a besoin d'enseigner, c'est très important. Oui, il y a des compétences qui sont très importantes, le coding, par exemple, notamment. Mais il y a aussi des trous qu'on doit combler et des choses que l'on doit peut-être anticiper. Et nous aussi, on a un apprentissage à faire. Okay. Il y a deux points d'entrée en fait à l'apprentissage. Le premier, c'est la petite enfance et la scolarisation. La scolarisation, la scolarité au Luxembourg devient de plus en plus diversifiée. Il y a de plus en plus de langues qui se parlent dans les maisons. Il y a aussi de plus en plus de langues qui se parlent au niveau des écoles. Et donc, il y a eu ce développement dans les 3 ou 4 dernières années des introductions, par exemple, de différentes façons de vivre l'école internationale au Luxembourg dans le cadre public. Les adultes qui viennent au Luxembourg pour travailler et pour faire leurs études sont aussi un deuxième point d'entrée au Luxembourg. Ils apportent des compétences, ils apportent aussi beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir et d'optimisme. Comme vous l'avez entendu, 50% de nos étudiants sont étrangers, c'est-à-dire internationaux, et sur ces 50%, 25% sont des étudiants de la grande région. Les autres 25% viennent d'autres pays dans l'Union européenne et dans d'autres pays dans le monde entier. Si on se réfère au rapport OCDE qui est sorti en début d'année, il souligne l'importance des compétences dans 3 volets. L'apprentissage, pensons à la transition verte, il faut faire cet apprentissage. L'acquisition de nouvelles compétences dans le cadre de sa vie professionnelle, c'est-à-dire le upskilling. On peut se former, par exemple, dans un programme complémentaire. Et l'acquisition de nouvelles compétences dans le cadre de la recherche d'un emploi adapté. Ça peut être quelqu'un qui est arrivé ici dans le cadre de leurs études, qui ont découvert qu'en fait leur chance d'obtenir un poste au Luxembourg ou dans la grande région est en fait relativement petit par rapport à leurs compétences, donc ils acquièrent d'autres compétences. Je souligne ici qu'une énorme compétence très importante, c'est la compétence linguistique. Nous avons beaucoup d'étudiants qui n'obtiennent pas de stage ou de poste parce qu'ils n'ont pas de compétences adaptées en français. Et donc il y a aussi un besoin de vraiment privilégier et de mettre en exergue la compétence linguistique. C'est un atout au Luxembourg d'être multilingue, mais ce n'est pas donné. Et c'est quelque chose aussi, on ne peut pas s'attendre, même au niveau des jeunes luxembourgeois, à avoir un niveau de compétence linguistique, surtout en français, au niveau qui est demandé par les employeurs. C'est donc un élément aussi très important. La population jeune grandit, elle monte en flèche, si vous regardez ce qui se passe dans Statec. La population des seniors aussi, au-delà des frontières. Alors, en tant que jeune université publique au Grand-Duché, nous tenons à répondre à ces demandes qui sont importantes pour le pays, pour la grande région et bien sûr le monde entier. Il y a beaucoup d'offres, on nous demande souvent de faire des choses, on est toujours en discussion, on collabore aussi avec la Chambre de commerce, la Chambre des salariés. Nous avons donc cette position vraiment de répondre à la demande, mais aussi d'anticiper les besoins. Mettons en exergue aussi la curiosité et la créativité. Si quelqu'un dit « montre-moi comment je peux lire ça, montre-moi comment je peux faire ça », cette personne va aussi y penser et à développer certaines choses. Donc on ne va pas totalement se focaliser sur les seules compétences, disons, concrètes dont on a besoin dans le monde du travail. Il y a aussi d'autres compétences importantes et elles ne sont pas soft. L'apprentissage d'une langue, comme on le sait tous ici, c'est dur. Et il faut de la détermination et il faut vraiment de la résilience aussi. Et ça, c'est quelque chose que le Luxembourg connaît beaucoup mieux que d'autres pays.
Mettons en exergue également la situation de cette jeune femme. On lit beaucoup sur tous les continents, dans toutes les universités du monde, que la pandémie a créé un déficit de santé mentale, un déficit de sociabilité et un déficit d'éducation. Non pas d'apprentissage, mais d'éducation. Savoir se comporter dans une salle de classe, savoir se comporter dans le monde du travail. Ce n'est pas évident quand on a passé presque 3 ans devant un écran. La santé mentale des étudiants est un défi et nous ne manquons pas à l'appel. Nous avons augmenté notre offre en inclusion et en soutien depuis 2020. L'université offre cet apprentissage à la vie et c'est un apprentissage aussi au monde du travail. Et c'est également un apprentissage tout au long de la vie pour qu'après, les personnes qui ont ces compétences puissent aussi les passer à la génération suivante. Merci. Remercie les intervenants déjà pour ce premier tour de table. Vu le temps qui nous flotte, peut-être on peut revenir à Slido et demander déjà s'il y a une question dans le public qui se pose. Sinon, moi, je vais poser encore quelques-unes. Monsieur ? Le commissaire européen a dit très correctement que les entreprises ne sont pas très intéressées à des personnes de plus. C'est un problème de compétences en partie, c'est aussi un problème d'attitude. Et je pense que chacun de vous, d'une certaine façon, est concerné par cette attitude, cette impossibilité de retrouver un emploi, même en ayant une compétence supplémentaire. Que doit-on faire? Est-ce qu'un programme d'investissement aide dans ce domaine? Est-ce que quelqu'un de vous est inspiré à répondre à cette question? Oui, et je me rends compte, comme je rapproche de sa tête à 45 ans, et je ne me sens pas maintenant âgé, et je pense vraiment que les personnes de 45 ou 50 ans, peut-être, ils ont aussi, bon, certainement, ils ont une expérience qu'ils ont fait tout au long de la vie qui peut apporter beaucoup à, à une entreprise, à un futur employeur. À l'ADEME, il y a certains programmes qui sont spécialement dédiés. Je pense quand même qu'il faut arriver à sensibiliser aussi les employeurs par rapport aux personnes qui sont peut-être pas dans leur schéma de recrutement typique. Voilà, ils ont aussi peut-être peur quand il y a une convention collective au niveau des salaires qui sont plus élevés, mais moi je trouve que c'est un grand atout. D'ailleurs aussi en parlant de concurrence, par rapport à l'État, je pense que les conventions collectives peuvent être un outil qui rend le secteur privé beaucoup plus attractif, et on le voit dans certains secteurs, il y a quand même des personnes qui travaillent dans le privé, quand je vois le social, il y a pas mal qui travaillent dans le privé, mais il faut sensibiliser que ce n'est pas l'âge d'une personne qui la rend, je dirais, bon ou mauvais candidat, mais c'est les compétences, c'est l'expérience et son pouvoir d'évoluer. Et ça, il faut aussi montrer. Moi, j'ai eu un cas que la personne a dû changer de programme d'encodage en comptabilité. Il ne voulait pas le faire à 53 ans. Ça, c'est vraiment la mauvaise approche, mais je pense que c'est quand même une forte minorité et que les personnes sont ouvertes à apprendre, à évoluer et qu'il faut sensibiliser. Notre catégorie, on ne pense souvent pas, c'est les personnes ayant un handicap. À la dame, il y a beaucoup qui ont été reclassés ou des personnes ayant un handicap. Oui, il y a des restrictions, mais je pense qu'ils ont beaucoup de savoir-faire et de pouvoir. Il faut tout juste s'adapter et ça devient autant plus important, je dirais, pour les entreprises dans des périodes où on parle de manque de main-d'œuvre. Il faut aller chercher là où il y a la main-d'œuvre dont on a besoin, et je dirais importer jusqu'à l'infini n'est peut-être pas non plus la bonne solution. L'autre volet de la question de monsieur était aussi si un plan comme celui dont on parle aujourd'hui peut aider à remédier à ces soucis ou à aider à sensibiliser, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Ben, je pense que le Future Skills, qui est un plan où on donne des formations, surtout aussi des formations transversales, mais on a dit, OK, on va plus dans le digital aussi. Le digital est quand même
un volet important, d'abord plus basique et aussi plus approfondi, qui peuvent aider à aller au-delà et de nouveau avoir un profil intéressant. Ça se peut, c'est vrai, quand on a travaillé 10 ans, 15 ans dans une entreprise, ils ont eu toujours les mêmes logiciels et les logiciels ont été un peu âgés. Il faut se mettre à jour. Mais d'autant plus important que, j'ai dit avant, que les entreprises forment aussi. Puisque cette personne, si elle ne trouve pas d'emploi à 45, 50 ans, mais c'est une main-d'œuvre perdue. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre à perdre des main-d'œuvre comme ça. Je vois qu'il y a une question là-dessus où on parle des compétences dont on a besoin dans le marché du travail, mais qu'on se pose de plus en plus souvent la question du sens au travail pour les salariés. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Est-ce que quelqu'un se sent inspiré à répondre à la question des besoins des salariés aussi, de trouver du sens dans leur travail? Madame Ligli, je vais essayer de répondre. Je pense que c'est vrai que souvent, on présente le monde du travail comme une fin en soi. Et c'est la valorisation des compétences qui est l'aspect le plus important dans le monde du travail. Beaucoup d'étudiants se dirigent vers quelque chose parce qu'on leur a dit que c'est quelque chose qui leur permettra de faire autre chose. Par exemple, avoir l'opportunité d'avoir assez d'argent pour s'acheter une maison ou participer à des loisirs. C'est relativement rare d'entendre quelqu'un dire « je me dirige vers X formation parce que ça va me permettre de faire quelque chose, un métier passionnant ». Exception faite de certains métiers où les gens pensent que c'est déjà fait, que ce sera passionnant, tel que le droit. Bon, il y a pas mal de gens qui ont fait le droit qui trouvent qu'ils ne se dirigent pas, en fait, dans cette direction-là. Alors, trouver un sens au boulot, c'est précisément ce que disait M. Schmitt, c'est-à-dire penser en termes de compétences et pas en termes de la formation elle-même et du diplôme lui-même. C'est à ce moment-là qu'on peut dire, OK, ça a sens, c'est quelque chose qui contribue à la vie, c'est quelque chose qui contribue à ma vie aussi et qui me donne un sens. C'est la seule réponse que je peux faire, ouais. Je pense que c'est effectivement une évolution que moi j'ai pu constater aussi avec la pandémie. Déjà aussi au niveau des générations, qu'on remarque, c'est les jeunes aussi, ils veulent trouver plus de sens dans ce qu'ils font. Je pense que c'était différent dans les générations avant nous. Et c'est quelque chose d'important dont le patron doit tenir compte. C'est maintenant, souvent dans un entretien de recrutement, les gens viennent et disent « qu'est-ce que vous nous offrez ?» Je ne pense pas que c'était le cas avant. Et c'est un fait que la société maintenant elle est comme ça et c'est quelque chose dont le patron ou dans les entreprises doivent tenir compte et auquel il faut avoir une réponse. Et un élément, je pense, l'investissement des entreprises dans la formation de leurs collaborateurs peut aussi être une réponse positive pour répondre à ce besoin des personnes. Et vous croyez que c'est réaliste en fait que les entreprises s'adaptent plus aux besoins des salariés que dans l'autre sens, disons? Je trouve dans l'actualité, il y a un tel manque de main-d'œuvre que c'est un peu comme le pouvoir a un peu changé ou la force a un peu changé. Ils peuvent demander parce que des talents sur le marché, mais on trouve plein d'entreprises qui les veulent. Donc effectivement, c'est dans ce sens-là, il faut répondre à ce besoin. Les entreprises doivent s'adapter. Tout juste la question, pourquoi s'adapter aux besoins des salariés pour être contre-productif ou quelque chose de négatif pour les entreprises? C'est bien que si une entreprise peut s'adapter aux besoins des salariés et l'inverse quelque part, c'est l'idéal. En tant que patron, qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'on peut s'adapter aux besoins, que la personne trouve du sens et aime venir au travail et se développer au travail. Oui, bien sûr, mais il n'y a maintenant pas tout et rien qui est possible, mais je pense qu'il y a quand même des ouvertures qui sont possibles et aussi les salariés qui comprennent aussi. Maintenant, si quelqu'un dit je ne fais plus du tout travailler, mais mon salaire, peut-être, ce n'est pas non plus peut-être le besoin de la personne. Donc, je ne pense pas que c'est nécessairement négatif de s'adapter aux besoins des salariés. Je vais quand même ajouter quelque chose. Pourquoi toujours ce regard très limitatif de la formation
toujours sur le monde du travail, pourquoi ne pas avoir une vision, je dirais, plus globale, plus humaniste de la formation? C'est pour ça, en fait, qu'on aurait besoin de, d'autres outils. On a un outil, le congé individuel de formation, qui n'est pas forcément en lien direct avec le travail de la personne, mais c'est vraiment pour faire de la formation aussi pour le plaisir. Et ça aussi, c'est quelque chose de peut être très motivant d'avoir aussi, je dirais, cet angle de vue. Et donc, forcément, on nécessite d'autres instruments justement pour développer cela. Et forcément, si on développe la formation pour le plaisir, la formation pour les besoins, pour sécuriser son parcours professionnel, vient en parallèle. On a encore quelques petites minutes pour notre panel ici. Pour un dernier tour de table, j'aimerais bien clôturer avec une petite question. Quel est pour vous, en quelques mots, le message principal à retenir de notre discussion aujourd'hui? Peut-être on commence avec Madame Lécu. Le message principal, c'est que l'apprentissage est une priorité pour le Luxembourg, tout comme l'Union européenne, qu'il faut bien comprendre qu'un apprentissage utile, c'est aussi un apprentissage utile pour la personne, c'est-à-dire c'est quelque chose qui contribue à la société d'un point de vue global. Monsieur Higuin. Oui, je voudrais ajouter que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que qu'on a le succès sur la transition économique, sur la transition numérique et environnementale, dont on est tous d'accord que c'est nécessaire, les compétences jouent un rôle central. Je voudrais retenir aussi que c'est toute l'Europe qui est confrontée à ces problèmes, et pas seulement le Luxembourg, comme vient d'être dit. Et aussi, je me réjouis de voir que je pense avoir trouvé un consensus un peu dans tous les participants, que le rôle de Next Generation EU est un outil très valable pour atteindre au moins en partie cet objectif. Merci beaucoup. Madame Morvet. Je pense qu'on est tous d'accord, le skill, c'est un élément clé pour entreprise et pour salariés. Et je pense que ce qui est important pour moi, c'est aussi, ça commence dès le plus jeune âge. Donc, ce n'est pas que la formation professionnelle continue, mais ça commence déjà dans l'enseignement fondamental. Ça commence dans une bonne orientation des jeunes talents, pas sur base de leurs défauts, mais vraiment sur base de leurs talents, et d'essayer de les faire évoluer. Vous avez parlé de la langue, et effectivement, au Luxembourg, c'est une grande chance d'avoir toutes ces langues. Mais ça peut aussi être parfois un point bloquant, et il faut regarder où est le talent et faire évoluer les talents. Voilà. Monsieur Oswald. Je pense qu'il faut faire du lifelong learning quelque part une culture générale qui traverse, je dirais, toute la population, et il faut créer des outils atypiques de formation, je dis qu'ils sont différents de se mettre en classe avec 15-20 personnes, mais qu'il faut que le lifelong learning devient quelque chose de fluide, qu'on retrouve un peu partout et moins statique. Moi, je souhaite que les futures stratégies en matière de compétences soient réalisées dans un dialogue efficace, justement pour qu'il y ait un consensus aussi large que possible, justement pour doter les citoyens européens des compétences nécessaires afin de relever les défis futurs. Merci. Merci beaucoup à nos intervenants aujourd'hui, Catherine Légu, Muriel Morvet, Carlo Friesen, Javier Yannis Sigal et Tom Oswald. Je vous remercie. Entre-temps, qu'on change d'intervenant pour le deuxième panel, on peut faire un petit sondage, en fait. Si vous pouviez vous connecter à Slido, on a quelques petites questions à vous poser. On aimerait bien savoir votre avis là-dessus. On vous demande d'abord si vous pensez que le plan de relance Next Generation EU Luxembourg aura un impact positif sur votre situation personnelle, voire sur celui de votre entreprise. Si vous pouviez peut-être nous donner votre avis là-dessus.
Ah ouais. Regardez ce que ça donne. Ça devient de plus en plus équilibré. On vous donne encore quelques instants pour voter et puis ça change quand même encore beaucoup avec le temps, on voit. Mais il me semble qu'il y a une majorité au moins qui se sent quand même impactée positivement par le plan. Peut-être on vous a déjà convaincu avec ce premier panel. On a encore une deuxième question sur les initiatives en matière de formation et du développement des compétences au Luxembourg. Est-ce que vous croyez que ça va dans la bonne direction ou non? Il y a quand même un tiers qui dit oui, mais la plupart n'est pas tout à fait sûr. Ok. Donc sur ce point, on a encore un peu de travail à faire pour vous convaincre, voire du travail peut-être à nos représentants politiques. Ok. Bon, je crois qu'on passe à la troisième question, peut-être. La troisième question, elle fait un peu le lien à notre deuxième panel, où on demande quels domaines sont prioritaires au Luxembourg pour la transition énergétique. Et on vous a donné quelques options, voir le développement des énergies renouvelables, la mobilité durable, l'efficacité énergétique, la décarbonisation industrielle, renforcement des infrastructures énergétiques critiques, lutter contre la précarité énergétique, requalifier la main-d'œuvre vers les compétences vertes. Et je vois qu'il y a quand même une grande majorité pour la mobilité durable qui serait prioritaire dans la transition au Luxembourg. Et comme j'ai dit, en fait, ça enchaîne très bien pour notre deuxième panel. La deuxième table ronde de cet après-midi tourne autour de la mobilité verte. Et comme pour le premier panel, on a à nouveau des invités compétents pour nous en parler. Et j'aimerais bien les accueillir sur scène. Ce sont Mathieu Baldwin, Philippe Gerba, Simon Hackspiel, Alessandro Longhino et Malik Zeniti. Si vous pouviez peut-être me rejoindre ici. Alors, c'est qui manque encore? Il ne vient pas? Il n'est pas là? Il était là, il s'est enfoui déjà? Ok. on commence déjà avec la présentation des quatre autres, en fait, qui nous ont déjà rejoints ici sur scène. C'est Philippe Gerber, chercheur à l'ISER, le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research. Il a obtenu son doctorat en géographie avec une thèse sur les problèmes de la mobilité résidentielle, entre autres. Dans son travail, il se concentre entre autres sur la mobilité, les transports et la satisfaction des consommateurs. Simon Hackspiel, commissaire du gouvernement à l'énergie, de formation ingénieur avec accent principal sur les systèmes d'énergie. Dans sa fonction actuelle, il est le responsable du gouvernement de la sécurité d'approvisionnement énergétique et il s'occupe aussi du développement de l'infrastructure et du marché dans la mobilité électrique. Puis Alessandro Longhino, directeur des opérations dans le domaine des véhicules électriques chez Shell. Il est responsable de l'implantation de nouveaux bornes à recharge pour véhicules électriques en Belgique, en France et ici au Luxembourg. Et puis Malik Zeniti, directeur du Cluster of Logistics, de formation ingénieur chimiste. Il a travaillé pendant 25 ans
pour une grande entreprise américaine au Luxembourg. Et depuis 2015, il est à la tête du Cluster of Logistics à la Chambre du commerce qui promeut la diversification économique du Luxembourg dans le domaine de la logistique. Voilà, et on a aussi M. Boldin qui nous rejoint. Lui, il est le directeur général adjoint énergie de la Commission européenne. Il travaille depuis plus de 20 ans pour la Commission, entre autres dans les domaines du commerce, de l'aviation, de la mobilité et depuis juin de l'année dernière dans la DG Énergie. Je vous souhaite la bienvenue, monsieur. Donc, pour introduire le sujet à nos spectateurs, peut-être Philippe Gerber, pourriez-vous nous décrire la situation actuelle de la mobilité verte au Luxembourg ? Oui, ben, tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors, je vous avoue tout de suite que je ne suis pas spécialiste directement de la mobilité verte. Encore faudrait-il savoir ce qu'on appelle mobilité verte. On l'a vu avant dans le petit sondage rapide, dès lors qu'on parle de mobilité durable. Là, je me sens déjà un petit peu plus dans mon élément, à savoir qu'effectivement, on veut prôner cette mobilité verte, donc changer les comportements vers des moyens de transport plus vertueux, on va dire, et tendre vers la décarbonation. Et pour cela, en fait, moi, comme vous l'avez dit, moi, je suis plutôt spécialiste dans les questions liées au transport, à la satisfaction des transports, etc. Et je vois qu'au Luxembourg, on a fait quand même, il faut le dire, énormément de progrès quant à cette mobilité verte, donc en essayant d'investir énormément, et là avec le dernier plan ferroviaire, on l'a vu, effectivement l'État luxembourgeois met quand même un gros investissement dans les transports en commun, notamment le ferroviaire, mais ça c'est très bien. On sait que par contre la dépendance automobile existe toujours, les déplacements restent compliqués par rapport au travail notamment, moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment est-ce qu'il est possible de changer ces comportements, et on voit que si on prône toujours les questions liées notamment à l'électromobilité, je pense que ce ne serait pas forcément la solution. C'en est une évidemment pour lutter contre les gaz à effet de serre, mais ce ne sera sans doute pas suffisant. Alors j'aime bien citer parfois certains de mes collègues, notamment anglo-saxons, qui ont l'habitude d'utiliser des acronymes pour résumer un petit peu les tendances vers lesquelles il faudrait aller pour développer ces types de décarbonation, etc. Et il y a une collègue belge qui parle des 4 A. Alors en anglais c'est awareness, avoid, adapt and anticipate. Je trouve que ça résume assez fidèlement ce qu'on veut et ce qui est bien sûr en cours au Luxembourg, à savoir awareness, donc tout ce qui est la conscientisation, et on en a parlé avec les compétences tout à l'heure. La compétence à la mobilité, il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose sur quoi on travaille beaucoup, ce sont les questions, ce qu'on appelle le potentiel de mobilité, à savoir la motilité. Donc ce sont des aspects qui sont vraiment importants, où ça démarre à l'enfance, lorsque vous emmenez vos enfants à l'école, par exemple, si vous y allez en voiture, ce n'est pas anodin pour l'enfant. Il va se représenter des schémas de pensée à travers la voiture, qui est sécure, effectivement. Mais la marche à pied, la mobilité autonome, elle est aussi sécure. Et j'ai vu qu'il y a des workshops, là, notamment prônés par le ministère de la Mobilité, là, qui sont destinés à ce type de population. Avoid, le meilleur déplacement vert, c'est celui qu'on ne fait pas. Et la question du télétravail, je trouve que ça va totalement dans ce sens, et il faut persévérer dans ce sens. Ensuite, s'adapter vers le bas carbone. Plus on a d'alternatives à la voiture, plus on aura tendance à changer de moyen de transport. Ça, je pense qu'aussi, c'est très important. Avoir des moyens de transport, notamment des transports publics, efficaces. Mais je pense aussi à la mobilité active, à la ville du quart d'heure, notamment par rapport à la mobilité active, qu'il faut prévoir et donc anticiper par rapport à toutes ces évolutions qui sont vraiment, vraiment fondamentales par rapport
un éventuel changement de comportement, parce que ces questions de compétences, c'est une chose, changer de comportement, souvent, c'est bien plus difficile. Oui, je crois que nous tous ici connaissons ces soucis-là. Le sujet d'aujourd'hui est bien sûr l'impact du plan de relance et de résilience au Luxembourg. Mathieu Bollin, pourriez-vous nous expliquer comment le plan promeut la mobilité verte en général? Oui, merci. Bonjour tout le monde. Excusez-moi mon petit délai là. Juste, si je me permets quelques mots, parce que je ne suis pas actuellement expert de transport, mais je vais juste ajouter quelques mots sur le secteur énergétique, où je suis ici pour un peu promouvoir. La crise provoquée par la guerre d'agression poursuivie par la Russie pose des énormes défis pour tout le monde, ici, y compris ici à Luxembourg. Et je voudrais juste vous dire que notre plan, c'est vraiment de les adresser dans une manière systématique, compréhensive et solidaire. En particulier, et donc REPowerEU, qui est la dernière partie, si vous voulez, du plan de relance et résilience, adresse ce trifecteur, si vous voulez, du besoin de diversifier nos sources de gaz, parce qu'on ne peut pas compter plus sur la Russie, la question d'affordabilité de l'énergie et bien sûr la question de la transition verte. Et donc ça nous amène un peu vers notre sujet c'est aujourd'hui, où la Luxembourg a des grandes vulnérabilités très très claires en termes de ces importations. Je crois que vous comptez 90% de votre consommation sont des importations. Et vous n'avez plus que 12% qui viennent des renouvelables. Donc, vous êtes vulnérable, comme pas mal d'autres États membres. Et donc, c'est pour ça qu'il faut adresser ça dans une manière systématique. Et pour cette raison, nous attendre avec anticipation, avec un tout petit peu d'impatience, ce que va proposer le gouvernement luxembourgeois sur le chapitre de REPower dans ce plan. Sachant qu'il y a pas mal d'argent sur la table, dont vous avez déjà 30 millions disponibles par le mécanisme du ETS, jusqu'à 126 millions de plus par le Brexit Adjustment Reserve. Donc, il y a quelque chose là pour améliorer votre situation. En termes de la plan spécifiquement sur la mobilité verte, donc je peux être assez bref, et ça c'est bien toujours, hein, parce que je suis pleinement d'accord avec ce que vous avez dit déjà en termes de la situation ici à Luxembourg. Le transport à usage individuel constitue une des causes principales pour la congestion, évidemment, pour la pollution de l'air, pour les émissions de gaz à effet de serre et, pas oublions, les effets des accidents, les incidents. Et donc, mettons tout cela ensemble, vous avez une grande partie des coûts externes de transport et qui ne sont jamais ou presque jamais internalisés. Donc, ils sont payés effectivement par le reste de la société. Et donc, si nous ne pouvons pas ajuster notre mobilité vers une mobilité électrique, une mobilité doux ou active, comme vous avez déjà dit, une grande partie de nos problèmes vont continuer. En termes de ce qui favorise les transports publics durables, la question se pose si, franchement, Luxembourg s'attaque suffisamment au sous-problème de la pollution causée par les voitures individuelles et la congestion. Ici, à Luxembourg, nous croyons que vous avez la potentiel de s'appuyer davantage sur les taxes environnementales pour internaliser davantage les coûts de la pollution atmosphérique. Mais vous affichez l'une des plus faibles parts de taxes environnementales parmi les États membres de l'Union, notamment en ce qui concerne la pollution. Oui, et c'est vrai, vous avez adopté, campé, certaines mesures visant à promouvoir les transports durables. À noter, par exemple, depuis le mars 2020, les transports publics sont gratuits, tandis que d'autres ont peut-être présenté dans le plan de relance et résilience déjà. Luxembourg a comme pourcentage la part la plus élevée des kilomètres de chemin de fer électrifié, comme vous avez dit, dans l'Union européenne. Également, la maturité du marché
des véhicules particuliers à émission nulle est proche de la moyenne de l'Union européenne et le nombre de voitures électriques augmente rapidement. Ça, c'est du progrès. Et il est important aussi peut-être de rappeler que les mesures visant de transport plus efficace et plus durable peuvent contribuer de manière substantielle à réduire la dépendance à la garde du pétrole, pour des raisons évidentes. Et donc, à rappeler également que la recommandation du Conseil dans le contexte du semestre européen, le Country Specific Report pour le Luxembourg en 2022, indique qu'il faut peut-être promouvoir davantage l'électrification des transports et de continuer d'investir dans ces réseaux, dans ces infrastructures de transport public. Et finalement, ce que je veux juste ajouter, c'est que le plan PER met fortement l'accent sur la transition écologique globalement, qui est absolument essentielle. Et je suis très content de voir qu'il y consacre 61% de son enveloppe totale. Il prévoit notamment une enveloppe de plus que 30 millions d'euros pour développer et mettre en place un réseau dense et accessible de bornes de recharge pour les véhicules électriques pour tout le territoire. Et donc, vous prévoyez l'installation de 1300 points de recharge dans le pays d'ici à la fin de 2023. Donc, vous avez du travail à faire là. Et donc, c'est plutôt global, mais vous avez pas mal de choses à faire. Et je suis très content, dans les derniers deux jours, que nous pouvons adresser avec vous les possibilités pour aller encore plus vite et plus loin vers notre destination très importante. Merci. Merci aussi. Simon Hack, spiel en tant que commissaire à l'énergie. On a entendu maintenant déjà quelques critiques des initiatives du gouvernement, autant de M. Voldin, une certaine déception. Aussi, M. Hansen s'est prononcé dans cette direction-là. Que dites-vous à ce sujet de ce potentiel manqué, peut-être? Donc pour commencer, merci pour l'invitation. Pour commencer, j'ai dû sourire un peu parce que moi non plus, je suis pas expert dans la mobilité verte, dans le sens strict. Néanmoins, j'espère de pouvoir ajouter quelques réflexions, plutôt point de vue énergie. Et effectivement, j'ai pu contribuer à ce régime, ce projet phare qui s'inscrit dans le plan discuté aujourd'hui par rapport aux bornes de recharge. Donc, plutôt cet angle. En fin de compte, je crois que c'est plutôt facile de résumer le rôle du plan résilience et relance. En fait, c'est un des principaux objectifs du Luxembourg de décarboner la mobilité et le transport. Et le RRF permet d'aller dans cette direction. C'est vraiment ça. Ça donne un cadre, comme discuté déjà, et ça donne un moyen de financement aussi. Donc, en gros, c'est ça. En même temps, ce n'était pas un plan spécifique pour le transport, pour la mobilité, et ce n'était non plus un plan qui a été élaboré dans le contexte de la crise énergétique, hein, il ne faut pas oublier. Hein, c'est une autre résilience ou une résilience encore adaptée un petit peu qu'on discute aujourd'hui. Le monde tourne assez vite et heureusement, on a prévu un certain pourcentage du RRF dans ce secteur, hein, mobilité verte, transition énergétique, avec les 60% mentionnés déjà. On a d'autres plans qui donnent un cadre plus spécifique encore à la mobilité. Donc, il y a le plan national de mobilité, hein, par le ministère compétent. Il y a aussi un plan national climat et énergie, le PNEC, qui a été présenté en 2020, qui est en train d'être présenté, en fait, aujourd'hui. Donc, ça tombe bien, hein.
parce qu'il y a plein de mesures en fait qui vont dans cette même direction avec une panoplie de mesures prévues pour la mobilité et le transport. Je vais quand même dire quelques mots par rapport à ce projet phare, et je crois que c'est effectivement ça, hein, ce régime d'aide pour l'infrastructure de charge au Luxembourg, qui est financé par ce régime et qui est décrit en détail dans ce plan de résilience et de relance. En fait, c'est un régime d'aide pour entreprises, pour bandes de recherche, avec un budget conséquent, hein, 40 millions d'euros, dont 30 millions financés par la Commission européenne dans ce cadre. Et ce régime prévoit trois axes. Donc, premièrement, pour l'infrastructure de recharge de base, si vous voulez, hein, qui s'appelle Charge et Supercharge, peut-être connu par l'un ou l'autre ici. Le régime permet de réorganiser en fait le financement de cette infrastructure importante pour le Luxembourg. Deuxièmement, il y a un régime d'aide pour PME, pour passer à l'électromobilité. Et troisièmement, des appels à projets pour différents projets d'infrastructures de charge d'une certaine envergure. Et le premier appel à projet a été clôturé avec beaucoup de succès, en fait, avec plus de 60 bornes de charge qui vont être installées et soutenues par ce régime et une capacité de charge assez conséquentes supplémentaires pour le Luxembourg. Donc un vrai succès, encore beaucoup de travail à faire, c'est juste pour ce régime d'aide, sur l'un côté, et en même temps, il ne faut pas se contenter avec ce régime existant, ce cadre existant, ce plan existant du RRF, il faut vraiment le développer encore, et effectivement, ce financement supplémentaire donné par la réallocation des fonds Brexit sont certainement très intéressants et je suis sûr qu'il faut se concentrer encore plus par rapport à la mobilité verte et la décarbonation du transport. Malik Zeniti, comment est-ce que vous évaluez les initiatives actuelles dans le domaine de la mobilité verte ? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, particulièrement que je jouerai aujourd'hui un petit peu l'avocat du diable, puisque nous, notre association à la Chambre de commerce, elle représente une centaine d'entreprises qui sont actives dans tous les quatre modes de transport, donc la route, le rail, la navigation fluviale et l'aérien, qui, comme vous savez, n'est pas sans importance au Luxembourg. J'ai été invité aujourd'hui pour parler d'un secteur qui représente mine de rien 27 000 personnes. Malheureusement, statistiquement, on ne s'est pas trop séparé entre le fret et le transport de personnes. Et j'ai eu la chance, en octobre dernier, de modérer une session comme celle-ci qui parlait justement de l'électromobilité autant des transports de personnes en bus et des transports de fret en camion. Et le dernier sujet est celui, en fait, qui m'est important et que je voudrais... Je suis un grand fan de M. Pareto, un ancien économiste italien qui disait 80-20, et oui, plus connu pour le 80. Moi, je trouve qu'au niveau de la mobilité des personnes, même si on met 80% de l'accent là-dessus, il ne faut pas négliger les 20% de tout ce qui est transporté, le fret, les petites entreprises, les camionnettes, et de prendre en compte les charges, que ce soit de l'électromobilité ou, comme heureusement, comme disait Christoph Hans, notre ministre a compris que ce serait trop unilatéral de ne prendre en compte que l'électromobilité et qu'aujourd'hui, heureusement, on parle aussi d'hydrogène et d'autres carburants propres, ce qui est important pour notre secteur. Les attentes qu'on a formulées dans le PNEC, la première version, étaient en fait de diminuer de 55%
l'utilisation d'énergie fossile ou le CO2, disons, qui est émis. Et il pèse et il pèsera beaucoup sur le secteur, des deux côtés. Donc, d'un côté, on est content que le secteur mobilité verte de personnes est passé devant, parce que c'est, comme vous le savez au Luxembourg, c'est l'État qui s'en occupe et qui le cofinance. Mais on a beaucoup d'entreprises qui se soucient de dire est-ce que l'infrastructure énergétique, et on l'a mentionné aujourd'hui, est-ce qu'elle sera suffisante quand nos acteurs du transport, du fret, quand eux voudront investir dans leurs camions, qui ne sont aujourd'hui pas simplement disponibles, il y a seulement un petit nombre d'entreprises qui vous offrent un camion électrique. Tant qu'on attend du côté de notre voisin les prochaines aides importantes pour aider le secteur de décarboniser aussi au niveau du fret, moi personnellement je suis un grand fan de la post-coach. Peut-être il n'y a pas plus que 20 ans, en fait, un bus qui partait peut-être à Rémiche, il emportait encore du fret quand il le pouvait. Malheureusement, on a laissé tomber tout ça et j'ai peur qu'on ne va jamais vraiment aboutir à atteindre nos projets de Green Deal si on ne réfléchit pas sur les deux transports, le transport de personnes et le transport de fret, et de préférence en complémentarité. Ça, c'est un des points importants pour moi. Je vais aussi dire qu'au Luxembourg, vous le savez très bien, le rail joue un rôle important, et pas plus tard que la semaine dernière ou il y a deux semaines, la Chambre des députés a voté une des lois les plus onéreuses qui est, donc 7,2 milliards de 2025 à 2039, si je me rappelle bien, à investir, donc 500 millions par an, pour justement tout mettre au point le rail. Malheureusement, ici, nos collègues de la Cour d'audit de la Communauté européenne, ils ont émis des très grandes réserves à atteindre la multimodalité que la Communauté européenne s'est donnée. Donc, nous, on a organisé au niveau des chambres de commerce, fin de la semaine, une grande conférence au Luxembourg pour pousser la multimodalité, donc pour prendre de plus en plus en compte le transport de personnes, le transport de fret. Vous pouvez vous imaginer, si vous êtes sur un Luxembourg, Bettembourg du Lange, dans ce coin-là, si vous donnez toujours la priorité au train de personnes, bah vous ne transporterez jamais du fret. Et alors qu'on a un des outils les plus sympas, les plus modernes, avec le multimodal, le hub multimodal à Bettembourg, qui a mine de rien coûté, je crois, 250 millions d'euros. Donc c'est un formidable outil qui va nous aider aussi avec un grand problème. C'est le problème de mes collègues qui discutaient avant, c'est le manque de personnel. Nous, on a un manque de conducteurs. On a un manque du conducteur, que ce soit transport public ou transport de fret. Je crois que pour 30 ou 40 personnes pour le tram, il y a eu 1000 personnes qui voulaient avoir ces postes. Donc, il y a quand même un certain intérêt pour le régulier, qui est donc le tram, mais pour l'international, c'est plus difficile. Et je m'arrêterai ici. Alessandro Longhino, votre entreprise a très concrètement profité du plan de relance. Qu'est-ce qui vous a motivé à utiliser cette aide et à investir dans des bornes de recharge? Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Je pense que je n'ai plus besoin de mon papier. Mes collègues ont déjà fait une très bonne introduction du sujet, mais je vais quand même me pencher sur quelques éléments qu'ils viennent de répondre. Quand on parle de mobilité, il ne faut surtout pas oublier tout ce qui est transport, tout ce qui est logistique est derrière. Je pense que le modèle Pareto, il colle très bien à illustrer ceci. Voilà, ce n'est pas uniquement le transport des personnes, mais également voilà, la tomate qu'on achète chez Cactus, elle vient probablement d'Espagne quelque part, et comment elle est venue au Luxembourg. C'est aussi les questions qu'il faut se poser quand on réfléchit et quand on mène la discussion de transport et de mobilité. Donc, ce n'est pas uniquement la mobilité de toi et de moi. C'est vraiment dans un enjeu plus grand. Après, M. Gerbet également posait la question sur qu'est-ce qui est la mobilité verte, qu'est-ce que nous on considère comme verte. Ce n'est en effet pas uniquement l'électrification, c'est une des solutions. Hein. Je pense que voilà, dans le domaine du transport, dans le domaine du transport individuel, mais également du domaine du fret, ça peut être une piste, mais il y en a encore d'autres. En tant qu'acteur du privé, on a une responsabilité à jouer dans cette transition. Je pense qu'on a tous profité les dernières décennies, les derniers siècles d'une infrastructure, d'une mobilité qui a permis à notre continent de créer une certaine richesse basée sur cette mobilité, basée sur ce transport de personnes,
basé sur le transport de biens, etc. Et maintenant, il faut également qu'on prenne la responsabilité de mener sa transition, d'amener les gens, d'amener les partenaires, notamment, à faire ce changement. De l'autre côté, des sociétés privées, ils ont des engagements, que ce soit maintenant des engagements envers des partenaires, des engagements envers des sociétés. Et je pense que le fil rouge qui s'est un peu tiré pendant toute la présentation qu'on a aujourd'hui, on a des ressources limitées, surtout des ressources en personnel. Quand on voit aujourd'hui des aides comme le Luxembourg les propose, ce sont certainement des très bons outils qui permettent à des sociétés comme Shell, mais aussi d'autres, à prioriser les efforts qu'ils mettent. À vraiment dire, ben voilà, ce pays-là, il a la volonté financière, mais aussi, je veux dire, en termes de support, pour mettre un réseau en place, pour agir au grand public et vraiment mettre quelque chose à disposition. Et donc, pour nous, ça nous permet également de dire, ben voilà, priorisons, redirigeons et repriorisons aussi, ça ne faut pas oublier, peut-être nos accents sur les pays ou bien sur les projets où ça fait le plus de sens de faire cet investissement. Je parle là pas uniquement d'un rendement financier, mais voilà, on ne va pas se cacher, le rendement financier est également une valeur sur laquelle on joue. Mais de l'autre côté, c'est également de voir ben voilà, dans quel pays la volonté est là, de la partie du gouvernement, mais également de la partie des individuels. Et je pense que là, c'est une question qu'il faut vraiment remettre à table. Est-ce que les personnes aujourd'hui sont bien informées de ce qu'on a besoin pour mener cette transition ? Mais est-ce qu'ils seront aussi compte de l'effort qui est justement mis pour aller dans cette vague de la transition ? Donc vous croyez qu'au Luxembourg, tous ces facteurs sont venus ensemble avec le support du gouvernement, mais aussi la volonté des individuels de passer ou de participer à cette transition. Je pense qu'au niveau du gouvernement, et là on va nous faire la même reproche, on peut toujours faire plus. Voilà, on peut toujours faire plus, on veut toujours faire plus, mais on a justement cette limitation, comme je viens de dire, des ressources, que ce soit maintenant ressources en termes de personnes, mais aussi ressources en termes d'allocation de matériel également. Quand je parle de l'exemple concret, un chargeur aujourd'hui qu'on commande chez un des grands fournisseurs, on est à presque 50 semaines de délai de livraison. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut en rendre compte. Donc oui, il y a une très bonne direction dans laquelle le gouvernement il va et on est prêt à aller ce chemin avec le gouvernement. Mais bien sûr, il y a toujours moyen de faire plus. Et je pense qu'avant, on avait justement discuté, si on aurait plus d'échanges dans des groupes de travail, on pourrait peut-être même donner des bonnes pistes ou au moins donner une certaine voix des experts de l'industrie du secteur qui pourraient dire, on a vu l'expertise dans les autres pays, que tel et tel fonctionnement nous a aidé à bien se développer. Comme par exemple ce qui a été fait en Norvège. Je pense que la Norvège, ils ont commencé en 1996 à avoir les premiers incentifs pour les individus, à notamment pousser la mobilité durable, la mobilité, l'électrification. Donc je pense que des exemples comme ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on pourrait davantage appuyer sur l'expertise des acteurs privés. De l'autre côté, en termes de compétences, voilà, ça c'est vraiment quelque chose un fil rouge qui se tire un peu sur nos partenaires, auprès de nos partenaires, mais également chez nous-mêmes. Il faut vraiment trouver les bonnes personnes qui se connaissent dans le domaine, qui ont la volonté de le faire. Ce n'est pas le fait d'être un ingénieur qu'on a vraiment envie de travailler dans ce domaine, peut-être aussi de travailler dans le domaine privé. Et pour notamment mettre quelque chose en place, être motivé pour mettre quelque chose en place et contribuer notamment à ce changement. Donc je pense que ce sens de travail qui a été mentionné avant est quelque chose qu'on pourrait davantage mettre en avant pour vraiment expliquer aux gens, vous contribuez tous à ce changement. Monsieur Zenetti, j'ai l'impression que vous êtes bien d'accord avec ce que votre voisin il a dit. Est-ce que vous croyez aussi qu'il y a encore plus à faire au Luxembourg ? Oui, absolument, je suis d'accord. D'ailleurs, en 2021, on avait organisé une conférence un peu provocative en l'appelant « Is Hydrogen a Priority ?» donc « Clean Energy » pour parler justement de tous les carburants.
Heureusement, 2 ans plus tard, on commence à parler de tous les carburants. Je crois que son entreprise avait été candidat pour la première station d'essence à hydrogène, qui après a été repris par un confrère parce que probablement on ne s'est pas mis d'accord sur les stratégies et les objectifs. Moi, je ne peux que dire merci à la communauté européenne et ses actions au Luxembourg pour aider justement aussi dans un domaine non idéologique de pousser et de faire avancer la mobilité verte. La mobilité verte, j'ai discuté récemment avec quelqu'un qui installe des bornes. Il m'a expliqué que, heureusement, certaines temps de livraison étaient en train de rediminuer. Mais moi, j'ai peur que les panneaux solaires, c'est très difficile à avoir. Bah, ça sera la même chose avec les camions électriques. Ça sera la même chose avec tout ce qu'on va mettre dans les prochains plans de résilience. Et ce qui m'intéresse, nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est le côté résilience, c'est-à-dire que nos entreprises ont toujours essayé de minimiser l'énergie qu'ils ont utilisée. Pour eux, un camion qui n'est pas plein, c'est un mauvais camion. Moi, je voudrais que les pouvoirs publics voient ça aussi avec les bus. Un bus qui est vide n'est pas un bon bus pour moi. Si je parle greenwashing, je ne suis pas content quand je vois plein de bus qui sont vides. Et là, je me demande que la digitalisation, qui fait aussi partie au niveau ITS, des projets de la communauté européenne vont peut-être nous aider de mieux utiliser les outils digitaux, le personnel, c'est-à-dire les nécessités des personnes pour le transport, et pas simplement faire comme en 1900 où on disait on va de A à B et puis ça n'est plus changé pendant 5 ans ou 10 ans. Vous aimeriez bien réagir? Juste une petite réaction par rapport à la pertinence ou l'importance du transport de marchandises et le fret. Hein. On est tout à fait d'accord. Hein. On voit l'importance. C'est pas difficile hein, si on regarde les statistiques luxembourgeoises par rapport aux émissions CO2. Hein, c'est très clair que c'est un vrai défi et un vrai levier. Hein. Il y a aussi des opportunités derrière. Hein, et, on est en train de travailler dessus. On va très prochainement annoncer un nouveau régime d'aide pour les camions, en fait. Et juste pour évoquer aussi que le régime d'aide vise déjà à pousser aussi vers l'électromobilité dans le secteur de transport, car le régime est ouvert aussi à l'infrastructure pour les camions. Mais je voulais juste réagir parce que c'est vraiment pour le Luxembourg, à cause des camions ici, mais aussi à cause des flux transitoires. C'est extrêmement important. Tu peux réagir? J'avais postulé en lisant le plan national de la mobilité 2035 que j'avais trouvé une fois le terme camion. En fait, c'était pour dire qu'il fallait éviter le transit du camion. Donc ça montre, et on m'a bien expliqué au niveau du ministère, que maintenant le plan 2040 sera différent. Donc on attend. Publié aujourd'hui. Monsieur Baldwin, vous aimeriez bien réagir là-dessus? Pas beaucoup, parce que je suis pleinement d'accord. Très bien, dans le sens que la logistique, c'est trop souvent l'enfant oublié du système de transport, avec une vraie contribution qu'il peut faire en termes de notre projet de décarbonisation. Et je suis très content que le Parlement européen a vraiment poussé là-dessus, donnant des échéances assez vives pour pousser là-dessus. Et aussi, je suis pleinement d'accord par rapport à la situation ici à Luxembourg. C'est exactement les flux transitoires, les cross-border elements qui sont super importants là-dessus. Et donc, une vraie, encore une fois, opportunité. Aussi. Mais vous croyez que l'électromobilité sera le futur aussi pour la logistique du fret aussi, puisque on installe plein de bornes maintenant pour le transport personnel, mais est-ce que pour le professionnel, voire pour le fret, est-ce que c'est la solution aussi? Je crois que le secteur est très en attente de découvrir. Il y a certaines pistes qui nous donnent une idée. Les Allemands, ils ont défini qu'ils allaient aider de payer les 80% de la différence entre un camion électrique et un camion standard, s'il y en aura. Et ces 4 ou 5 milliards qui ont été adjugés à ces projets, ils sont un tiers, deux tiers. Un tiers hydrogène, deux tiers électromobilité.
Oui, on a fait, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce sera la seule solution, surtout pas dans, dans le transport. Je pense qu'aujourd'hui, on voit déjà certaines tendances que le transport de fret, disons, à courte, moyenne distance, c'est déjà quelque chose qui est faisable. Je prends par exemple les camions de livraison qui livrent tous les jours les supermarchés, etc. Donc là, on parle des domaines qui sont quand même gérables. Quand on regarde les autobus, ben, je ne sais pas si vous avez déjà vu les installations d'Emile Weber, qui sont quand même assez conséquents en termes d'électromobilité. Donc oui, dans une certaine mesure, c'est faisable. Après, au futur, ça dépend fortement aussi de l'évolution des technologies. Quand je prends les voitures électriques qui sont, et les camions électriques qui sont actuellement dans le marché, ben, dans un fil de 2-3 ans, on va déjà dire ben, on a augmenté maintenant la capacité, la rapidité de 20 et 30%. Maintenant, ces types de technologies peuvent être intéressants pour un autre transport qui peut être avec des distances plus élevées, avec des recharges plus rapides, etc. etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire non, le transport ira de toute façon dans l'hydrogène, on ne peut pas dire il ira de toute façon dans l'électrique. Ça dépend fortement des évolutions techniques qui vont être mises en place et je pense que ça c'est aussi un message important qui est bien connu par l'Union européenne et les acteurs locaux. Qu'il faut avoir l'esprit ouvert à toutes ces technologies qui sont à disposition et vraiment suivre de près qu'est-ce qui se passe. Les dames de nouveau, je me penche un peu ce que j'ai dit avant, de se consulter et concerter avec les acteurs privés ou avec les logistiques. Passons peut-être la parole encore une fois à notre public. On a vu déjà qu'il y a quelques questions qui ont été posées. La première est la question si vous avez des études sur l'impact écologique des batteries électriques et comment on peut les rendre réutilisables, voire recyclables. Est-ce que quelqu'un de vous a des idées là-dessus? Moi, je ne peux que, probablement nos collègues, je ne peux que dire que ce qui est toujours sous-estimé, c'est que par exemple, nous, on a déjà les premières entreprises au Luxembourg qui, justement, se concentrent sur ce sujet. C'est-à-dire qu'ils veulent être ceux qui vont recycler et réutiliser les batteries. Donc, chaque fois qu'il y a un problème comme ça qui apparaît comme un problème, donnons un petit peu crédit à nos ingénieurs de trouver une solution. Ça va. Rien à ajouter. Non, je suis convaincu qu'il y a des solutions. C'est un défi, hein, il faut le dire aussi, hein, mais il y a des solutions. Et il y a aussi un cadre européen qui est très important, hein, parce que c'est un des sujets qui sont pas résolus au niveau national. Hein. Donc nous, on est très content qu'il y a un cadre en place. Établi par ou dans le contexte de l'Union européenne, et on a poussé très fort dans cette direction. Oui, peut-être également un aspect là-dessus. Bon, il existe effectivement plein de... d'études et statistiques sur ce sujet. Il y a plein de sociétés qui travaillent là-dessus, mais effectivement, il faut donner un peu de temps pour que ça se concrétise un peu davantage. Je pense que voilà, quand on est monté du cheval sur la voiture, ce n'était pas au jour le lendemain qu'on avait une citadine qui consommait 5 litres ou 100 km. Mm-hmm. Donc là aussi, il faut voilà, avoir un peu plus de patience, bien qu'on est tous bien pressés dans ce sujet, mais ce n'est pas de la musique du futur. Ça se fait déjà actuellement. Il y a des producteurs de voitures qui s'engagent à produire avec des matériaux qui sont à 90% recyclables, dont la batterie. Donc, c'est peut-être pas encore, l'information n'est peut-être pas encore si présente dans le public et si à disposition de tout le monde, mais ce n'est pas de la musique du futur. Il y a encore une autre question pour le transport. On a parlé auparavant des thèmes qui viennent de l'Espagne. Et il y a la question aussi, c'est pas utile de privilégier les produits de saison et voilà, ne pas aller les chercher trop lointain. Je le vois bien. Peut-être, M. Gervais, vous avez une idée là-dessus. Effectivement, on peut encore un petit peu attendre pour les tomates. Hein. Effectivement, ce n'est pas encore tout à fait la saison. Mais c'est sûr qu'on évoquait tout à l'heure le déplacement vert. Le plus vert, c'est celui qui ne se fait pas. Je crois qu'il y a la proximité également qui va jouer aussi dans le même sens. On parlait effectivement de la ville du quart d'heure.
cette ville qu'il faut essayer de développer pour trouver la question de la multi. On a parlé de multimodalité, on peut aussi ou multimobilité, on peut aussi parler de multifonctionnalité sur des lieux, finalement des lieux urbains qu'on peut densifier d'une manière tout à fait adéquate. Hein, le Luxembourg, souvent, le fait de densifier peut faire un petit peu peur, mais je pense qu'on a tout loisir de densifier au niveau urbanistique d'une certaine manière, qui fait qu'on trouve chaussure à son pied quant à nos exigences, on va dire, à nos standards vis-à-vis des logements notamment. Et je pense que ça, c'est aussi un point qu'il est important de mentionner, c'est le fait de bien concilier les questions résidence et les fonctions qui sont liées à cette résidence. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut voir dans sa globalité et dans cette multifonctionnalité. Oui, là, je crois que... Je crois qu'il faut revenir à ce que vous aviez dit à un moment, c'est les changements de comportement. Moi, qu'à un moment, j'avais étudié, par exemple, le marché des asperges, pour vous dire tout, pendant 2 mois par an, vous avez des asperges de la région, de la grande région, et pendant 10 mois, ils viennent du Pérou et du Chili. Et donc, à chacun de prendre soin, de choisir est-ce qu'il veut manger dans ces mois-là des asperges ou non, ou est-ce qu'il veut les... Et ça, c'est des choix. Et le jour où on avait parlé de purpose avant, le jour où vos enfants, comme ma fille me dit, je mange plus de poisson parce qu'il n'y en a plus assez dans les mers, c'est à vous de voir comment vous allez répondre à cette question. Donc la responsabilité individuelle, comment... il y a encore peut-être un peu de temps pour une petite dernière question. Comment inciter les entreprises à moins fournir des véhicules de fonction pour des emplois non commerciaux, et pourquoi ne pas développer le car sharing? C'est quand même un sujet au Luxembourg qui est assez important, les véhicules de fonction, et pourquoi ou comment est-ce qu'on pourrait peut-être inciter les entreprises à aller dans la bonne direction là-dessus? Est-ce que quelqu'un de vous se... Alors, moi, je ne vais pas parler au nom des entreprises, mais je vais plutôt parler au nom des utilisateurs des voitures de fonction. C'est vrai que c'est un vrai problème au Luxembourg, mais finalement, lorsqu'on avait fait une étude qui a été publiée là il y a 2-3 ans, on a remarqué, toute chose égale par ailleurs, finalement, les personnes utilisant les voitures de fonction ne sont pas plus satisfaites de leurs déplacements que ceux qui utilisent les transports en commun. Donc, il faut aussi... faire attention à cela, c'est-à-dire que, ok, on offre entre guillemets une voiture de fonction à son employé, mais il peut. Alors maintenant, il existe différentes manières de fonctionnement, etc. Il y a une véritable diversité qui se fait par rapport à ces avantages en nature. Hein. Mais toujours est-il que ce n'est pas forcément une satisfaction qui va dans le sens escompté, on va dire. Après, pour les entreprises, ça, c'est plus le volet fiscal. Très bien, je vous remercie. Donc, je remercie à vous tous, Philippe Gerber, Matthew Baldwin, Simon Hackspiel, Malik Zeniti et Alessandro Longhino. Merci beaucoup pour votre intervention. Et pour clôturer cet événement, mesdames, messieurs, accueillez sur scène Maria Teresa Fabregas Fernandez pour les dernières remarques de ce débat. Merci Maxime, merci tous les participants, mais surtout les intervenants. Donc maintenant on est à la fin de cet événement, mais j'aimerais un peu passer en revue ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait et ce qui va venir. Donc on a aujourd'hui parlé de deux sujets très importants, les compétences des démons et la mobilité verte. Et ces deux sujets sont liés aux transitions climatiques et numériques qui sont au cœur des politiques de l'Union européenne, comme les commissaires Schmit et les membres du Parlement européen Hansen ont mentionné au début de l'événement. Tous les deux, ils ont mentionné aussi les aspects sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier que la facilité des reprises et résilience a été créée
lors d'un moment, la pandémie, en 2020, quand tous les États membres de l'Union étaient exposés à des risques économiques et sociaux très importants. Donc, comme a été mentionné par les commissaires et les membres du Parlement européen, c'est à ce moment-là où il y a eu cette réaction très forte et très unie, très solidaire de l'Union européenne pour aider à tous les États membres dans ce qui est les défis économiques et sociaux, mais aussi sans oublier ces transitions climatiques et numériques pour lesquelles on était en train de travailler. Et donc, chaque État membre, comme le Luxembourg, a pu élaborer un plan avec des réformes et des investissements qui doivent être remplis, tout doit être complet, à la fin de 2026. Donc, c'est un grand défi pour tous ceux qui travaillent, et pas seulement dans les administrations nationales, l'administration publique, mais aussi pour les entreprises, pour les travailleurs, pour toutes les sociétés dans tous les États membres. C'est un défi de pouvoir mettre en œuvre toutes ces réformes et investissements d'ici la fin 2026. Donc, le Luxembourg est déjà en bonne route. Le Luxembourg a déjà demandé les premiers paiements. C'était mois de décembre. On est en train de finaliser au niveau de la Commission européenne toute la procédure pour pouvoir débourser les 25 millions d'euros qui appartiennent à cette première demande des paiements. Mais comme a été déjà mentionné, on a eu la pandémie, mais après, on a eu cette invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. Et ceci a amené des impacts qui allaient bien au-delà de ce qu'on aurait pu croire au début de la guerre. Non? Et c'était tous ces impacts en tant que crise énergétique, ça veut dire une grande crise concernant les prix de l'énergie, d'une part, aussi un impact direct pour les citoyens et les sociétés en ce qui concerne l'impact sur les pouvoirs d'achat, l'impact sur les supply chain, non? Les marchandises n'étaient pas là. Et donc, au niveau européen, à nouveau, tous les États membres se sont mis ensemble pour mettre de l'avant cette nouvelle proposition qui s'appelle, initiative qui s'appelle RepowerEU. Et mon collègue Matthew Baldwin, il a déjà mentionné les principes généraux. Et c'est dans ce cadre que le Luxembourg, maintenant, est en train de préparer de nouvelles réformes et investissements afin de toucher ces plus de 130 millions d'euros qui correspondent pour introduire des mesures qui visent à promouvoir l'efficience énergétique, diversifier les ressources d'approvisionnement énergétique, remplacer les combustibles fossiles en accélérant la transition vers de l'énergie plus propre, aussi en tant qu'accélérer dans les marchés du travail les compétences dans ces domaines pour pouvoir aller de l'avant. Donc, finalement, pour vous dire, je vous remercie à tous. Je me remercie aussi en particulier les autorités luxembourgeoises. On est en contact très étroit avec les ministères des Finances, mais aussi aujourd'hui, on a été régulièrement en contact avec le ministère du Travail et toute l'administration, comme j'ai dit avant, parce que c'est un plan qui couvre beaucoup, beaucoup de domaines. Donc, on les remercie pour cette coopération qui est très étroite. Et finalement, on remercie à Anne Calteux et tous les collègues de la représentation parce que c'est grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui et nos collègues à Bruxelles aussi qui ont un travail très important pour être certain que les plans luxembourgeois vont de l'avant dans la bonne ligne. Donc, c'est tout pour la séance, mais il y a une visite guidée à 4h du musée Mudam, donc vous êtes invités à rester avec nous pour cette visite. Donc merci beaucoup et bon, à une prochaine fois parce qu'on va essayer de faire ces événements, pas tous les années, mais peut-être tous les 2 ans dans les États membres pour avoir un contact direct avec tous vous. Merci.